Bonjour à tous, et on se retrouve pour la suite de notre campagne sur Tentingwell. Et donc, on va pouvoir continuer sur quoi on était en train de faire. Donc, on devait passer une nouvelle aube, et là, du coup, on devait aller trouver la plaine sacrée. Donc, on a supposé que c'était en bas là, mais du coup, c'est pas du tout là. En fait, on devait aller à la plaine sacrée qui était plus ici, vers là où il y a les signes blancs, en fait, tout simplement. Du coup, on va devoir activer le menhir au tumulus, mais du coup, avant, on va épuiser celui-là, évidemment. Donc là, on passe directement déjà à l'aube. Donc lui, il se déplace. Donc, il y a plusieurs chemins possibles. Une, deux, une, deux. Donc, il va au plus petit, c'est le 101, le plus petit, obligatoirement. J'enlève évidemment mon pion de temps. Ensuite, ah, j'ai pas remonté mon énergie. Une, deux, trois, quatre, ça c'est mon énergie. Au niveau du Saint Graal, donc je perds un d'horreur, je vais gagner un HP. Voilà. Et ensuite, je réduis donc le menhir, il passe à 6. Je prends une carte événement. Temps magnifique, parfait. Je ne prends pas mon mercenaire et après, c'est à nous de jouer, tout simplement. Donc là, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On avait tout exploré la conclave, je sais plus ce qu'on avait, si on avait tout exploré. Oui. Ah oui, on avait perdu pas mal de points de vie parce que oui, c'est ça, on avait perdu pas mal de points de vie, hein, je me rappelle. Donc à la rigueur, on pourrait aller à l'hospice ici pour essayer de voir un petit peu ce qu'il y a, parce qu'on ne sait pas ici ce qu'il y a. Non, c'est vrai qu'on ne sait pas. Donc, à la rigueur, je vais réexplorer une fois. Je réexplore une fois. Donc, je paye 1 pour réexplorer la concave pour voir justement les autres choix qu'on pouvait faire. Il est bien loin le plateau là par rapport à la. Voilà. Les choix qu'on pouvait faire. Comme ça, vous avez la map. Et le plateau, voilà. Et donc 100, 104. Alors 104. Donc on avait, en fait, on avait tout fait. Fouiller les restes calcinés, on l'avait fait. On avait fait restaurer un moment pour y écouter. Sauf qu'après, il y avait plusieurs choix, il me semble, quand on écoutait. Donc on va retourner à l'entrée 1. Il faut payer 1 pour aller à l'entrée 10. Donc je paye 1. Voilà, ce qui me permet d'aller à l'entrée 10, et c'est ici, il me semble. Donc on est invité à l'intérieur, nous. Mais sinon, on pouvait simplement écouter, en fait. On pouvait simplement écouter. Ou alors, quand on rentre à l'intérieur, on peut soit fuir, ou soit... mais on va écouter pour voir. Pour essayer d'apprendre des informations. Donc on va à l'entrée 5. Donc l'entrée 5 nous dit, au bout d'un moment, vous finissez par distinguer des voix distinctes au lieu de la cacophonie des chuchotements. Plusieurs vous menacent ou vous maudissent, vous et les autres, pour ce que vous avez fait subir aux druides. Certains poussent des râles d'agonie. L'une d'entre elles détaille une invocation oubliée et un rituel secret. Si vous avez au moins 3 de magie, allez à l'entrée 7. Effectivement, j'ai bien 3 de magie, puisque j'ai 9, donc on peut aller à l'entrée 7. Ah, d'accord, entrée 7. Vous n'apprenez rien de plus ici, fin de l'exploration. Super, on aime bien l'entrée 7. Non? Clairement, hein. Je pense qu'il y a... En vrai, il n'y a plus rien à faire ici, hein. Il n'y a plus rien à apprendre. On va plutôt aller à l'hospice, voir un petit peu ce qui se passe. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va payer un d'énergie. Ah mince, après j'ai... Bah, c'est pas grave. Je vais payer un d'énergie pour me déplacer et je vais aller à l'hospice. Et du coup, à l'hospice, je vais explorer. Donc, je vais payer 1 d'énergie. Ah, attendez. Mon déplacement est gratuit avec temps magnifique. Je ne l'ai pas fait encore. Je ne m'en rappelais plus. Je ne l'ai pas fait le temps magnifique. Donc, du coup, je reprends mon énergie. Mon déplacement, il est gratuit. Et après, j'explore. Donc, je passe à 2. Voilà. Là, on est bon. Donc, j'explore. Et en même temps, comme ça, je pourrais remonter full énergie. Ça, c'est cool. À moins qu'ils me disent de payer. 109. On n'a jamais fait l'hospice, je sais même pas. Ouh là là, il y a un lac de sang, on a l'impression. J'ai vu la photo. On dirait un lac de sang, regardez ça.
C'est horrible. Avec des moines en rouge. Il y a une tête de mort au fond, sur la montagne. Ok, on n'a jamais vu ici. Les vagues clapotent contre la coque du bateau. Un homme encapuchonné et silencieux guide lentement le bac vers une île reculée, dont les massifs de saules sombres sont dominés sur trois côtés par une ancienne nécropole creusée à flanc de montagne. Vous avez beau savoir que les patients sont enfermés dans des cellules sombres et isolées, vous êtes pourtant envahi par un sentiment de malaise dès que vous posez le pied sur le rivage. Les gardiens de ce lieu, une communauté de moines austères, vous auscultent malgré vos objections. Ce n'est qu'ensuite qu'ils acceptent de vous entendre. Si vous avez la carte secret 66, allez l'entrée 9, mais je ne l'ai pas. Si vous avez le statut pisteur et un cadran représentant l'archère, allez à l'entrée 11. Donc j'ai un statut pisteur, effectivement, mais... Ah non, 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 je dis de la merde. J'ai même pas le statut pisteur, il y a derrière. Non, non, j'ai pas le. Et puis j'ai pas d'archère, rien du tout. Sinon, choisissez une option. Faites-vous engager comme assistant. Ouais. Visitez les monuments de l'île. Ok. Ou alors, faufilez-vous dans les profondeurs interdites de l'hospice. Ah ah, il y a un truc interdit ici. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va commencer par visiter les monuments de l'île. On va à l'entrée 4. Allez, on va visiter. Non, c'est l'entrée 4. Ah bah, c'est là. Bah, ça nous donne des têtes de mort en fait. Donc la première, c'est un 1, c'est sûr. La deuxième, c'est un 6. C'est un 6. Et la première, c'est un 1. Donc 161. Donc 161. Ok. Alors, vous faites une promenade le long du rivage de l'île. Vous perdez bientôt la côte d'Avalon de vue et vous atteignez une petite plage à l'ombre d'une haute falaise. Vous avez atteint le plus éloigné du monde connu, le point le plus éloigné du monde connu. Devant, c'est en l'océan silencieux que les humains traversent. Que les humains traversèrent il y a 600 ans, fuyant la mort rouge. Une stèle, érodée par les vents marins, orne cet endroit. Elle raconte qu'Arthur, le premier roi, a débarqué en ce lieu même avec ses hommes. En bas-relief, dépeint la scène, montrant Arthur et sa suite de chevaliers et de conseillers. En l'examinant de plus près, vous avez soudain l'impression d'être le dindon de la farce. La personne qui se tient à droite du roi vous ressemble trait pour trait. Sérieux? Vous êtes tellement troublé par cette découverte que vous n'entendez pas les résidents de l'hospice, émaillotés de bandages, qui se faufilent derrière vous. Bizarre. Allez à l'entrée 313. Comment ça, on est à côté d'Arthur? Oh, fuck. Je crois que ça pue la merde ici. Trouver et résolver la rencontre grise vagabond de difficulté 1. Ça va. Si vous l'emportez, trouver et résolver la rencontre grise esclave du weird difficulté 1. Si lors de l'une ou l'autre rencontre vous avez vaincu, vous êtes vaincu ou fuyez, on prend la carte 66. Les blessures que vous avez subies ont l'air de s'infecter. Chaque membre du groupe gagne la carte 66. Si vous avez remporté les deux rencontres ou que l'ennemi s'est replié, fin de l'exploration. Ok. Donc, faut qu'on trouve vagabond et après esclave du weird. Comme ça ne nous dit pas qu'on ne gagne pas les récompenses, on gagne évidemment les récompenses. Mais bon, c'est du niveau 1 donc. Donc, alors, vagabond, niveau 1 gris. Hein. Ok, ils sont là. Ok, alors, niveau 1 gris, vagabond, donc c'est lui. C'est un bébé. Niveau 5, c'est un bébé. Enfin, 5 points de vie. Rapide. Ok, c'est un bébé le gars. C'est un bébé. Et derrière, il y a quoi? Esclave du weird. Ok, esclave du weird, c'est... Bah, c'est un bébé aussi, quoi. C'est quoi ça? Vous savez à qui vous avez affaire, là, les gars? Vous avez affaire au champion du monde, là, d'Avalon, ok? On a gagné le tournoi, là. Donc, à un moment donné, il va pas faire avoir n'importe quoi. Ok, donc vagabond en premier, et après... Esclave du weird. Donc, je la mets à côté. Donc, vagabond.
Je vois même pas le coup de sortir mon arme. Ah là là, je vous jure. Il est quoi lui? Rapide. Je peux pas jouer plus de deux cartes. Par contre, je lui mets déjà un cube hein, grâce à mon coup de, mon corps. Pas mon corps. Mon corps de bataille, pas mon corps. Mon corps musclé, hein, évidemment. Ok, allez, on pioche trois cartes. Attaque puissante. Non, prudente, pardon. Je voyais pas, c'était flou. Supériorité stratégique et lancer. Ah, est-ce que si je joue lancer, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 qui meurt. Bon. Mais écoutez, je joue lancer. Je lui mets un cube, deux cubes, 3, 4 et 1, 5. Il est cappuccino, fin de mon tour. Merci, au revoir. Et donc, il me donne un objet d'artisanat quand même. Hein. Donc, il me donne un objet d'artisanat. Bon, bah, merci beaucoup, monsieur le bébé. On va passer au deuxième. Next. Donc, lui, pareil, je lui mets un cube. C'est quelqu'un qui s'est aventuré trop loin. Ah, bah ouais. Il ressemble plus à rien, le. On dirait le monstre dans, dans la série, là. Comment elle s'appelle cette série, là? Où le gamin, il disparaît. Je sais plus c'est quoi. Le gamin, il disparaît dans l'ombre, dans un monde parallèle. Il est poursuivi par une créature, ça ressemble un peu à ça. Sais plus du tout comment c'est la série. En plus, elle est connue, hein. Elle est sur Netflix. Elle est super connue. Je me rappelle plus. Enfin bref, peu importe. Une, deux, trois. Lui, il nous met un petit peu de terreur quand même. Faut peut-être pas perdre de temps. Attaque prudente. Pourtant, on a mélangé, on a bien vu, hein. Piège entravant. Lancer, mais vous rigolez, mais j'ai mélangé il y a pendant un quart d'heure. Bon. Par contre, là, ça marche pas parce que ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Il reste 2. Mais je pourrais faire le piège. J'ai double serpent? Non, j'ai pas. Donc, vaut mieux que je fasse comme ça. Donc, je fais ça. Je lui mets un cube. Derrière, je joue ça. Ok. Donc, je lui mets un cube. Derrière, je joue ça, ce qui me permet de piocher deux cartes. Et derrière, je vais jouer. Non, je ne vais pas jouer ça. C'est tout. Ou pas. À la rigueur, je pourrais jouer ça. Il me fait quoi, un cube, lui? Un point de vie? Il est mignon. Un point de vie, ouais, je ne vais pas prendre un point de vie quand même. Ça fait 2, 3, 4, 5, 6, il manque 1. Il manque 1. Comment ça, il manque 1? Bah oui. S'il me fait perdre un cube là, du coup, il passe. Il passe à 1. D'accord. Et là, non. Oui, donc ça serait comme ça. Donc ça ferait 2, 3, 4, 5, 6, il manque 1. Remarque, à 6, il me fait perdre un cube. Donc je perds un cube. J'enlève la carte. Et je... Ouais, ok, bon, c'est pas grave. Donc j'arrête là. Lui a deux cubes. Il fait rien du tout parce qu'à la place de l'attaque ennemie, je perds un cube. Donc je perds un cube. Et je défausse la carte. Ok, fin du tour. Donc fin du tour. Je pioche une carte. Nouveau tour. En plus, j'ai eu l'attaque surprise. Je vais jouer lancer. Donc 2, 3, 4, 5 avec mon bouclier. Donc il passe à 6. Fin de mon tour. À lui de jouer 6, il me fait perdre un cube. Donc je perds un cube. Et il m'enlève la carte lancée. Donc fin du tour, je suis à 3 cartes, c'est bon. Je pioche une carte. J'ai eu défense. Nouveau tour, je joue attaque surprise. Ça fait 2, 3, 4. 4 plus 5, 9. Fin de mon tour, il est cappuccino. C'est un bébé encore. Ok, il est mort. C'est vraiment un bébé, hein. Pareil. Hein. Donc il me fait gagner un de magie, simplement. Ok. Un de magie. Très bien, je mélange quand même parce qu'on a eu quand même deux fois les mêmes mains, c'est quand même bizarre. C'était deux bébés en fait. Ok. Bah écoutez, je gagne quand même un objet d'artisanat. Hein. Ce qui fait qu'il faut que je pioche des objets jusqu'à avoir un artisanat, tout simplement. Donc je pioche. C'est pas un artisanat. Non. Oui. Ah ben je l'ai déjà. Ah mince, il va falloir la vendre. Ok, je l'ai déjà. Donc il va falloir la vendre.
Très bien. Ensuite, du coup, c'était quoi? Si vous remportez, fin de l'exploration. Bon. Ah, c'était pas folichon tout ça. On arrête là? On va arrêter là. Je veux pour avoir full énergie. Et j'aimerais bien aller voir le forgeron, en fait, pour essayer de vendre mon stuff, si je peux. Donc je stoppe là, je mange. Donc je paye 1 de nourriture. Je gagne 1 HP. Je remonte full énergie. Expérience, c'est bon. Ici, par contre, il y a quand même un rêve à l'hospice. Voyons voir ce qu'ils nous disent. 109. Ah bah. 109, ils nous disent, bah, ce n'est pas un endroit fait pour rêver. Votre sommeil est aussi froid et silencieux que les pierres qui forment l'île. Si l'on considère toutes les horreurs, je suppose, dont vous... ouais, ça serait quand même pas mal que tu fasses un petit zoom. Ok. Dwells ont été témoins. C'est peut-être une bénédiction. Ok. Bon, bah, écoutez. On ne fait pas de rêve ici. On passe à l'aube. Donc l'aube, lui, il se déplace. Il n'a pas le choix. Il est obligé d'aller là. Mon Saint Graal. Je perds un de terreur. Je peux gagner soit un HP, soit un de magie, soit un d'énergie. Je vais gagner un d'HP. Tant qu'à faire. Ensuite, je réduis le menhir. Il va passer à 5. Voilà. Je prends une carte événement. Beau temps. Parfait. Le problème, c'est que là, je ne vais pas pouvoir rester là à rien faire. Hein. On a vu qu'ici, je pouvais explorer, mais bon, c'était pas ouf. Surtout que c'est assez hostile, hein, clairement. Donc, on va peut-être pas rester pour faire des rencontres niveau 1. Ça sert strictement rien. J'aurais bien voulu aller là. Donc, à la rigueur, on va aller skiv, lui. Et on va aller là pour essayer de vendre le stuff. Si on peut, je sais pas. Hein. Mais ça serait bien. Donc, je vais faire un déplacement gratuit, du coup, avec mon beau temps. Je ne prends pas mon mercenaire, hein, évidemment. Donc je fais un déplacement gratuit avec mon bouton et du coup j'arrive dans sa case. Donc combat. Je ne prends pas mon arme évidemment. Je pioche trois cartes. Supériorité, maléfice, défense. Je fais un mulligan, je pioche deux cartes. J'ai pas, je fais un mulligan, je pioche une carte. J'ai pas. Ok. On pioche quand même 1, 2, 3, 4, 5. On pioche quand même 6 cartes, on l'a même pas vu. Hein. 6 cartes sur 18. Donc un tiers du paquet. Donc on a 33% de chance de l'avoir et on l'a jamais. Donc du coup, je prends une de terreur. Je perds 2 d'énergie pour le fuir. Une, deux. Et je me retrouve, je choisis. Ah, je pourrais monter au blanc lichen. Mais bon, j'ai envie d'aller là. Donc je vais là. Ouais, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Je vais me déplacer pour aller à la lame. Et je paye 1 pour explorer. En espérant avoir le forgeron. On l'a vu au chapitre 1, mais je ne sais plus. Donc 105. 105. Ok, la lame de la mélancolie. Donc, je ne me rappelle plus, donc on va relire. Hop là. Vous vous reposez un moment à l'ombre de ces épées titanesques dont l'odeur de rouille vous chatouille les narines. À une trentaine de mètres de là, un vieux forgeron peine à sa tâche, ébréchant les bords déchiquetés d'une de ses armes antiques. Il utilise un étrange marteau qui émet des sons bizarres lorsqu'il frappe le vieil acier. Ah oui, c'est là qu'on a vu le vieil acier. Si un pionquette allait entre 14, non, il n'a pas. Sinon, tentez de grimper le long des épées, essayez de parler au forgeron, reposez-vous à l'ombre d'une épée. Je vais essayer de parler au forgeron pour voir si on peut le. On vend des trucs. J'espère, j'en sais rien. Donc, si ce lieu contient un cadran, allez à l'entrée 3. Ok, il n'y en a pas. Si vous êtes Béor, vous connaissez ce forgeron, c'est un ami. Je ne suis pas Béor. Sinon, lisez ce qui suit. Donc, le forgeron n'apprécie ni les invités de surprise, ni les curieux qui voudraient apprendre ses techniques. Avant, ils ne vous mettent dehors avec fracas. Vous avez juste le temps d'apercevoir l'étrange marteau. Hein, ça, on l'avait déjà fait.
On va le calmer, ça requiert 2, donc je le calme, on va à l'entrée 4. Donc vous vous excusez poliment auprès du forgeron et vous reculez pour le regarder œuvrer. Chaque coup de marteau, ouais, on l'avait lu que ça faisait du bruit. Donc il nous dit que le vieillard n'a pas été formé avec un outil, donc ça aussi. Il ramasse ensuite les éclats de rouille dans l'herbe et vous invite dans sa hutte pour vous montrer le reste du processus. Si vous n'avez pas le statut, on l'a du coup. Ensuite, choisissez une option. On peut partir, tenter de lui racheter son marteau ou tenter de le voler. Oh, on avait déjà fait ça. Parce qu'on avait eu la carte secret 27, on l'avait déjà fait. Ouais, donc en fait, on peut rien faire. Bon, on part, fin de l'exploration. Ok, on peut pas vendre nos objets ici. Je pensais qu'on pouvait lui vendre, mais non. Donc ça sert strictement à rien, on se casse. Donc je dépense un d'énergie pour me déplacer. Et... Attendez, j'ai utilisé mon énergie pour le beau temps? Parce que là, j'ai... Ouais, je l'ai utilisé, non? Ouais, je l'ai utilisé. Ouais, je l'ai utilisé ici, là. Ok. Parce que là, du coup, j'aurais bien été au bosquet des chasseurs pour soit chasser, soit explorer, parce qu'on c'est vrai qu'on l'a jamais fait. Ou à Blanc-Lichen. Je me rappelle plus si on l'a fait à Blanc-Lichen. Ben, je vais payer 1 pour me... Ah. Alors attendez, est-ce que ça vaut le coup? Parce que là, je regagne 1, 2, 3, 4, 5. D'accord, je regagne 5. Si je fais 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ouais. En vrai, c'est est-ce qu'on veut manger? Voilà la question. Je pense pas, hein. Pour moi, j'ai pas besoin de manger là. Donc je vais utiliser 1 pour me déplacer au bosquet du truc. Et je vais stopper là. Au pire des cas. J'ai pas besoin de manger, je suis full life. Je stoppe là. Ah oui, mais si je mange pas, j'arrive à zéro. Autant le dépenser. Le photon, il est HS. Ben. Ouais, ben écoutez, je mange sinon. Si je mange pas, ça me fait 1, 2, 3, 4, je perds du temps. Si je mange 1, 2, 3, 4, 1 potentiel. Ouais. Ouais, je vais manger. Ok, j'arrête là. Fin du crépuscule, je mange. On a quand même pas mal de nourriture. Du coup, je remonte 4. 1, 2, 3, 4. Ah, je perds pas de terreur, évidemment. XP, c'est bon. Ici, cauchemar. Le rêve, on l'avait déjà fait ici. 102. Je crois que si on avait le truc, il n'y avait rien du tout. Je vérifie quand même, hein, mais il me semble. Si vous avez la deuxième partie du champ de deuil, on l'a pas. Si vous n'avez pas le statut marque du chasseur, évidemment, je suppose qu'on l'a. Je regarde quand même. Ouais, on l'a. Ok, on l'a fait. On l'a fait ce rêve, plein de fois même. Ok, on passe à l'aube. Donc l'aube, lui, il a deux choix. Soit il va ici, soit il va ici. Évidemment, il va à 101. Il n'y a pas le choix, c'est le plus petit. Le masque qui me permet de perdre un de terreur et qui me permet, je vais prendre un d'énergie. Ensuite, on baisse le menhir. 4. On pioche un événement. Ah, c'est le spécial B qui me permet de gagner un de terreur et de remettre 7 moins 1. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faudrait que je trouve les vendeurs là, que je puisse vendre mon stuff en rab. Je prends pas mon mercenaire et on peut commencer à jouer. On va explorer à la rigueur. Où on fait de la nourriture. La nourriture, ça peut aller pour l'instant. Je préfère explorer. On va plutôt explorer puis après se barrer là-bas pour explorer. Que lui il va venir là, il va nous emmerder. Donc je vais utiliser un pour explorer le 102. C'est vrai qu'on l'a jamais fait. Alors 102, c'est quoi? Ouais, c'est vrai qu'on l'a jamais fait le 102. Tu vois la petite image, ça ressemble à quoi? Ah ouais. Un bosquet de chasseurs. Il y a une petite. Merde, vous voyez rien. Une petite hutte, ou je ne sais comment ça s'appelle. Un petit abri avec deux personnes dedans, deux rouges.
Ok. Bon, voyons voir. Il est encore là, comme il l'a toujours été. D'immenses orbites vides semblent vous fixer alors que vous descendez dans la cuvette au sol moussu. Les ramures, aussi grandes qu'un drakkar, servent aujourd'hui de nid à d'innombrables oiseaux. L'intérieur du crâne abrite un petit autel éclairé par des chandelles et entouré de quelques paillasses. Les chasseurs du coin appellent cet ancien crâne le Père Cerf. Ok. Et il dépose diverses babioles et offrandes, y compris quelques pièces. Ah, on peut peut-être les ramasser? Gros bâtard. La légende prétend que le père Cerf emmène les rêveurs participer à la grande chasse en sa compagnie. Bah oui, on l'a faite. Si vous n'avez pas le statut pisteur, allez à l'entrée 3. Bah, je l'ai pas le statut pisteur. C'est le statut justement qu'il nous demandait tout à l'heure là dans le truc. Non, je l'ai pas le statut pisteur, donc faut que j'aille à l'entrée 3. Sinon, on peut dormir, fouiller, profaner. Donc, il y a quand même pas mal de choses à faire ici. Hein. Donc, entrée 3. Ok. Dans la forêt du grand chasseur, il n'est pas rare de croiser une piste de taches de sang et de branches brisées. Vous l'aviez à peine remarqué jusqu'à ce que l'empreinte d'une main ensanglantée sur l'écorce d'un bouleau blanc attire votre attention. La proie n'était visiblement pas un animal. Ah. Gagner le statut pisteur. Bon, bah écoutez. On est maintenant pisteur. C'est un nouveau métier. Pisteur, c'est où? C'est là. Ok, je gagne le statut pisteur. Il doit sûrement y avoir un truc parce que à l'hospice, ça nous demandait tout à l'heure d'avoir si on avait le statut ou pas. Ensuite, choisissez une option. On peut suivre la piste ou on peut continuer, retourner au début et effectuer notre choix. Bah, je suis la piste, évidemment. Donc, entrée 5. Une archère aux cheveux ébouriffés. C'est ça l'archère qu'il nous disait tout à l'heure. Une archère aux cheveux ébouriffés gît dans la bruyère. Les mains appuyées sur son flanc percé, il semblerait que la chasseresse soit devenue la proie. À en juger par ses grognements et ses jurons, l'archère a encore du répondant, mais cela ne vous empêche pas de vous approcher. Vous ne pouvez pas faire grand-chose pour ces blessures. À votre connaissance, il n'y a qu'un seul endroit où soigner des plaies de ce genre, l'hospice insulaire qui se trouve sur la côte plus au sud. C'est là où on était en fait, et c'est là où il nous disait justement. Si vous avez le pisteur avec l'archère, allez là. Donc, je pense qu'il va falloir l'amener là-bas. Je suppose. Cependant, c'est un long voyage, surtout pour sauver une servante sanguinaire du père Cerf. Placez un pion quête dans un cadran que vous réglez sur deux. Ouais. Ce cadran se déplace en même temps que votre personnage, tant qu'il vous accompagne. D'accord? Ajoutez 1 à tous les coûts que vous payez. Tous les coûts? Sérieux, hein? Bon, attendez. Donc, placez un pion quête dans un cadran que vous réglez sur 2. Ok. Ensuite. Donc, ce cadran se déplace en même temps que votre personne, d'accord? Et tant qu'il vous accompagne, ajoutez 1 à tous les coûts que vous payez. Donc, en fait, le cadran, c'est l'archère, quoi, entre guillemets, parce qu'il nous accompagne à chaque fois. À la rigueur, je vais mettre plutôt l'archère. Elle, c'est une archère. Voilà, on va mettre l'archère. Hop là. Voilà, ça fait plus. Elle est blessée, hein, donc on la couche. Ok. Enfin, d'après ce que j'ai compris. Donc quand le cadran atteint 0, défaussez-le, vous ne pouvez plus acquitter de cette tâche. À tout moment, vous pouvez également défausser le cadran volontairement. Ok, on peut le laisser crever, quoi. Nouvelle tâche, amener l'archère blessée à l'hospice insulaire et explorer l'endroit pour y trouver de l'aide. Ok, donc on n'a pas beaucoup de temps, on a deux tours. Bon, on va y aller, on va l'amener. Même si elle est méchante, parce que c'est un gardien, on va l'amener, parce que nous, on est gentils, elle est gentille. Par contre, je ne peux pas passer vers le gros port. Il faut que je passe. Mais ça ne change rien. 1, 2, 3, 1, 2, 3, c'est pareil. Donc là, il faut que je paye, d'après ce que j'ai compris, un déplacement plus moi, un déplacement, donc 2, pour me déplacer. Donc je vais aller ici avec elle. Vu qu'il faut que je paye un de chaque à chaque fois. Un de plus, je veux dire. Ensuite, je vais payer 2. 1, 2. Ce qui me permet de me déplacer ici avec le blessé. Voilà. Par contre, j'ai plus d'énergie, donc il va falloir qu'on stoppe. Mais le truc, c'est que lui, il va venir.
Ce qui fait qu'on va le fuir, ce qui fait qu'il va pouvoir me faire déplacer. Donc, en fin de compte, pour les deux que je vais payer pour fuir, il va m'amener là. Gratuitement. C'est la même chose que si j'avais payé deux. Donc, tant qu'à faire, autant le faire. Bien. Ah, peut-être qu'il faudra payer 3 en fait. Ouais, en fait, il faut payer 3 pour le fuir du coup, vu qu'on est 2. Ok, bah c'est pas grave, ça n'a pas le choix. J'arrête là ou je continue à la rigueur? Bah non, parce que 1, j'ai pas le choix. Ouais, j'ai pas le choix. Donc, je suis obligé d'arrêter là. Donc, crépuscule. Bah, je suis obligé de manger. Donc, je mange. Donc, j'enlève 5. Je prends 4. Pas trop le choix. Va falloir vraiment faire de la nourriture après. Hein. Ensuite, je regagne 4. 1, 2, 3, 4. Ensuite, le rêve. Donc à la conclave calcinée, il n'y avait rien du tout. Je vérifie quand même. C'était 104. Je crois qu'il n'y avait rien. 104. Ouais, c'est ça. Il n'y avait rien. À la fin du tour. Donc on passe à l'aube. Donc à l'aube, lui, automatiquement, et il va venir là nous emmerder. Automatiquement. C'est un salaud. Hein. Elle est blessée. S'il vous plaît, monsieur, elle est blessée. Vous pouvez nous laisser tranquille. Donc du coup, vu qu'il est là, il y a combat. Le truc, c'est que pour fuir, il faut payer un de plus, je crois. Ouais. Je crois qu'il faut payer un de plus pour fuir. Donc, c'est marqué dans toutes les actions, vous payez un de plus. C'est ce qui a été écrit. Donc, même pour fuir, il faut que je paye un de plus. Donc là, pour fuir, il faut 3 au lieu de 2. Je pense. Hein. En tout cas, moi, je vais le jouer comme ça. Tant qu'il vous accompagne, ajoutez un d'énergie à tous les coups que vous payez. Vous voyez? Donc, pour moi, c'est pris en compte. Hein. Donc là, je vais essayer de fuir lui. De base, je paye 2. Mais comme là, je dois ajouter 1, c'est 3. Donc, pas le choix. Donc, rencontre. Un truc comme ça et on n'a pas d'énergie, on peut pas le fuir. Hein. Bah, remarque, on s'en fout parce que c'est marqué perdre et pas payer, je crois. Ouais, c'est ça. Ok. En espérant avoir la carte pour pas gagner la terreur. Ça coûte cher de l'esquiver quand même, lui, hein, chaque fois. Allez, 1, 2, 3. 33% de chance. Non, non, non. 2. Non, non. 1. Oui. Oh, on l'a eu. Donc je la joue. Donc je m'active. Je la joue. Je fuis le combat. Sans prendre la terreur. Eh oui, parce que j'ai repositionnement. Ah, c'est cool ça. Ok. Donc je paye 3. 1, 2, 3. Ce qui me permet de fuir. Avec madame. Donc boum. Ah, attendez. Oui. Je fuis avec madame et j'arrive ici. Parce que je dois me déplacer ailleurs. Très bien. Ah mince! Attendez, j'ai fait une couille. Ah, j'ai fait deux couilles. J'ai oublié de faire les lieux. Et ici, je devais prendre une rencontre bleue. Et ici, je devais prendre une rencontre grise. Ah mince! Quel con. Mince. Ben, pas le choix, faut qu'on rollback. Donc, une, deux. Lui, il était là. Le tour d'avant, je parle, avant le crépuscule. Je reprends de nourriture. C'est un petit rollback, quoi. J'ai pas gagné d'énergie. J'ai pas gagné de vie, hein, clairement. Et quand j'ai commencé le tour, j'avais fini là. J'avais fait 1, 2, 3, 4. J'avais fait ça. J'avais gagné un d'énergie. Ouais, j'avais gagné un d'énergie. Et j'avais commencé là-haut. J'avais exploré une fois. OK. Et après, je me suis déplacé en payant 2. 1, 2. Voilà, c'est exactement ça qu'on a fait. Parce que pour se déplacer, on a payé 2, on s'est arrêté là. Donc, c'est exactement ce qu'on a fait. Donc là, on est exactement au même point que tout à l'heure. Voilà, on a rollback. Le cadran, je le remets à 5. Non, non, cadran, je ne l'ai pas touché. Cadran, je ne l'ai pas touché. Puisqu'on était à lui. Donc c'est bon, donc là quand j'arrive là, obligatoirement je dois faire une rencontre bleue. On avait oublié ça. Ok, une rencontre bleue. Putain. Oh putain, pas l'orphelin pourri. L'orphelin pourri nous fait chier. Il nous fait perdre de l'énergie. Oh là là, il nous casse les couilles l'orphelin. Ok, va pour l'orphelin.
On gagne quoi un point d'expérience? Ça va, remarque. Oh là là, il est. L'orphelin pourri, là. Ah ouais, j'ai complètement oublié les lieux automatiques. Complètement. Pour le j'ai nul. Bon, ça va, on a rollback, donc on n'y a pas eu de triche. Parce que de toute façon, on avait fait que du déplacement, on n'avait rien fait d'autre. Donc ça va. Une, deux, trois. Il faut essayer de maximiser un max pour pas perdre d'énergie. Donc en gros, il faut essayer de faire le deuxième palier rapidement. Le premier palier, ça va être facile. Empathie. En plus, avec empathie, ça va être encore plus facile. Méthode bizarre et gagner du temps qui va nous aider pour le deuxième palier. Donc à la rigueur, je pourrais commencer avec empathie. Ce qui me fait monter de 3, 1. 2, 3, il me manque 1. Il me manque que 1. Est-ce que si je monte avec ça, bah non, ça va pas. Le problème, c'est que si je joue ça me fait monter. Ouais, je suis obligé de jouer les deux pour finir le premier palier. Donc, ce qui fait que je finis le tour avec une carte. À moins que je joue empathie après. Si je joue empathie après, faut obligatoirement que je paye un de magie, mais ça me permet quand même de piocher une carte pour le deuxième palier. Ce qui m'intéresse fortement. Mais je paye un de magie. Donc c'est embêtant. C'est carrément embêtant. Et en même temps, je pourrais garder L pour le deuxième palier. Hein. Parce que bon, là, il nous fait descendre de 1. On gagne un terreur. Pour l'instant, on n'est pas pressé. À la rigueur, je vais juste jouer empathie. Pour l'instant. Donc je monte de 1 ici. Et je monte de 2 ici, puisque c'est 2 avec l'oiseau. 1, 2. On est à l'avant-dernier en fait. Je pense qu'on n'est pas pressé pour finir. On n'est pas pressé pour finir le premier palier. Il me donne un terreur, c'est pas grave. Je stoppe mon tour là. Du coup, lui, il joue. Il me fait descendre de 1. Et il me fait gagner un terreur. Parce qu'il doit crier. Et ça doit me faire chier. Ensuite, fin du tour, je pioche une carte. Ah bah, empathie. Nouveau tour, j'enlève le pion et je pioche une carte. Empathie, putain, mais c'est dingue ça. Du coup, bah là, je vais jouer empathie. Et du coup, on va finir le premier palier. Donc, boum, je joue empathie, je monte de 1 et de 2, ça fait 3. Donc, 1, 2, je finis le premier palier, je mets un pion temps quand même. Parfait. Donc, lui, on retourne le palier au milieu, il joue pas. Fin du tour, je pioche une carte. Donc le contrôle est 3, c'est bon, je pioche une carte. Nouveau tour, j'enlève le pion temps, je pioche une carte. Je pense qu'on ne peut pas mieux faire pour le palier 2, hein, je vous le dis. Ici, c'est pas mal. Est-ce qu'on peut mettre des charges dessus? Non, on peut pas. Donc là, l'idéal. C'est quoi déjà pour nous faire monter? C'est la prudence et l'oiseau. Donc là, ça ferait monter là comme ça, cacher ses peurs. Donc si je joue méthode bizarre, donc première carte, méthode bizarre, d'accord? Ça monte déjà de 1 avec le hibou là, ça monte. Donc je monte de 1 avec le hibou. Je lance un cadran. Donc je lance un cadran. J'ai eu un Graal. Rien ne se passe. Si j'avais eu autant de Graal quand j'ai fait la tête, là, c'était bien. C'est tout. Ensuite, je vais jouer cacher ses peurs. Ce qui me permet de monter de 1 avec la prudence. Et je monte de 1 avec le hibou. Et chaque membre du groupe pioche une carte. Donc je pioche une carte. Oh, merde. Et j'ai eu justement noyer le poisson, donc je peux jouer noyer le poisson qui me permet de monter de 1 en bas et je suis tout en haut. Fin de la rencontre, j'ai gagné. J'ai même pas perdu d'énergie, c'est cool. Ok, nice. On sent que le deck commence à être un petit peu. On sent qu'on l'a amélioré un peu et que voilà, là ça se sent qu'on a un petit peu amélioré le deck, clairement. On maîtrise un peu mieux les niveaux 2 grâce à une carte ou deux, des fois ça change tout, hein. On gagne quoi? Récompense. Perdez un de terreur. Donc je repère ce qu'il m'a donné. Gagner un de réputation. Et un point d'expérience.
Ça va. Parfait, merci. Donc ça, c'est fait pour le bleu. Ensuite, ce qu'on a fait tout à l'heure, on refait exactement la même chose, hein, il n'y a pas de triche. Je paye 2, 1, 2. Et du coup, je me déplace avec mon blessé au niveau de la conclave calcinée. Et je fais une rencontre grise. Je me demande si je l'ai fait la rencontre grise tout à l'heure quand j'ai fait la conclave. Quand j'y suis allé, oui. Je sais plus. Ah non, mais j'y suis pas allé, je suis descendu. Ouais, mais après, je suis remonté, non? Ah oui, je suis remonté, je l'ai faite la rencontre grise. Je crois que j'ai fait un petit misplay. Quand je suis remonté, je crois que je ne l'ai pas faite la rencontre grise. Ici. Il me semble. Je vérifierai dans la vidéo, mais il me semble que je ne l'ai pas faite. Oh! LOL! L'archère! Mais on est en train de t'aider là! Qu'est-ce que tu fais là? Ah, c'est chaud! Vraiment coup de bol, hein! Ok. Bon, bah écoute, on est en train de l'aider. Bah écoute. Vraiment, là, c'est un coup de bol, quoi, parce que c'est elle, en fait. Bon, bah écoutez. Embuscade, ça veut dire qu'il faut que je défausse deux cartes, je crois, c'est ça? Ouais, c'est ça. Par contre, je lui mets quand même un cube, hein, puisque. Puisque j'ai mon corps de bataille. Oh, pas de bol, hein. Ce qui fait qu'elle va me faire. Ah non, c'est bon. Une, deux, trois. Point faible, défense, feinte. Je vais jouer. Donc, il faut que je dépose deux cartes. Je vais défausser feinte et point faible. Je vais garder défense. Donc, je défausse les deux, je joue défense. Ce qui me permet déjà de piocher une carte, vu que c'est un clé serpent. Ça, c'est cool. Est-ce que je pioche une carte aussi en magie? Non. Elle va me faire quoi? Elle a un cube. 3 dégâts. Mais j'annule 2. Donc j'annule 3. Donc elle ne me fait pas de dégâts. Donc c'est bon. Je stoppe mon tour là. Ah. Est-ce que je dépense un de magie pour piocher une carte? Oh, non, elle est que à 8. Donc je stoppe mon tour là. Très bien. Lui, elle me fait pour un cube 3 de dégâts. Mais j'annule 1 de dégâts. Déjà avec mon bouclier, avec la clé. Déjà, j'annule aussi un de dégâts avec l'armure et en plus deux de dégâts avec la défense agile. Donc elle me fait strictement pas de dégâts. Donc fin du tour, je pioche une carte. Nouveau tour. J'enlève le pion, tant. Je pioche une carte. On a eu que des trucs de merde. Mais bon. Là, je pourrais mettre un cube. Et derrière, je peux piocher deux cartes. Ça pourrait être pas mal. Donc je vais jouer. Supériorité stratégique qui me permet de piocher une carte avec la tortue. On a eu supériorité tactique. Gagner un cube pour chacun de vos points en machin, donc 1. Si j'avais eu l'arme, par exemple, avec les tortues, là, j'aurais marqué un cube, par exemple. C'est juste pour dire. Et derrière, je vais jouer piège entravant en combo, ce qui me permet de piocher deux cartes. On a soutien et maléfice. Ouais. Je pourrais jouer. Ah non, je peux pas. Ah non, c'est bloqué derrière. Je pourrais jouer que. Bah si, je pourrais jouer ça, soutien ferme. Bon, il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt. Donc je stoppe mon tour là. Donc elle fait rien. Parce qu'à la place de l'attaquer ennemi, je perds un cube. Donc je perds un cube. Ensuite, défausser la carte. Donc je défausse la carte. Fin du tour, contrôle. J'ai trop de cartes, faut que j'en enlève une. Je vais enlever. Bah, j'ai deux soutiens fermes, donc je vais enlever un soutien ferme. Fin du tour, je pioche une carte. J'ai eu une attaque prudente que je peux jouer après. Donc à la rigueur, je vais jouer Maléfice. Du coup, je lui mets deux cubes. Je pioche une carte avec la clé serpent. Ok, derrière, je vais jouer attaque surprise. Je lui mets deux cubes, plus 3, 5. D'accord, ensuite je pourrais jouer défense. Elle a combien à 5? Elle me fait un point de dégâts et elle me fait défausser la carte. Ouais, bah écoutez, je vais jouer. Bon, je vais pas perdre d'énergie, ça me sert à rien. Ouais, à la rigueur, je suis même pas obligé de la jouer défense puisque là j'annule déjà. J'annule déjà une.
une blessure. Donc, fin de mon tour. Voilà. Donc, elle a 5, elle fait une blessure que j'annule. Et d'ailleurs, elle me fait défausser la carte. Alors, je pourrais ne pas la défausser. Mais on s'en fout, je peux la défausser. De toute façon, ça change rien. Là, j'ai un x2, là, j'ai un x2. Ça change strictement rien. C'est les mêmes clés. Donc, autant la défausser. Ok. Fin du tour, contrôle, c'est bon. Nouveau tour, enfin, je peux jouer une carte, fin du tour, nouveau tour. Bah, écoutez, je vais jouer lancer de fossiles, ce qui va mettre un terme au combat puisqu'elle est morte. Parce que ça fait 7. Ok. Fin du tour, contrôle, terminé. Bon, bah, nickel. Alors, je suis plus, hein, je crois que j'ai pas fait la rencontre. On va dire que c'était sa cousine qui est venue, en fait. Donc, c'est sa cousine qui est venue pour essayer de la sauver. Parce qu'elle a vu en fait que ben on était en train de l'amener, elle a cru qu'on allait lui faire du mal. Donc sa cousine est venue, mais on lui a mis deux claques et on lui a dit rentre chez toi, on s'occupe de tout. Donc du coup, elle rentre chez elle. Et on gagne un de richesse. Ok. Par contre, ouais, je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'en remontant, j'ai fait ça. Je l'ai fait ça, je suis pas sûr. Donc si jamais je l'ai pas fait, bon bah désolé, ça sera un oubli, une erreur. Voilà. Si jamais, je sais pas, faudra regarder sur les vidéos. Mais au pire, je le marquerai sur les commentaires. Ça peut, oui. Ouais, ça peut, je pense pas que ça change grand-chose. Hein. Je suis full life. En plus, c'est en remontant, donc j'avais pas encore la quête. Donc j'ai carrément le temps. J'avais carrément le temps de le faire. Bah écoutez, donc là, je mets fin à mon tour. Crépuscule. Hein. C'est comme on arrivait tout à l'heure. Tout à l'heure, donc j'ai mangé. Donc je mange. Ce qui me permet de remonter 1, 2, 3, 4. Exactement comme tout à l'heure. On a fait le rêve exactement comme tout à l'heure. Donc là, il n'y a pas de changement. Ensuite, on est passé à l'aube. Lui, il est venu là. Et après, je vais payer 3 pour l'esquive. Et il me semble que j'avais pioché mes cartes et je crois que j'avais eu le truc. Bon, c'est pas grave, on va recommencer. Je ne sais plus, mais je crois que je l'avais eu, mais c'est pas grave. Donc c'est parti pour la rencontre. Je pioche 3 cartes. 1, 2, 3. Maléfice, défense, intouchable. Ok, je mulligan, deux cartes. Ah, repositionnement. C'est bon, je l'ai. Donc, je joue repositionnement et je m'enfuis. Donc, il ne me fait pas de terreur. Puisque repositionnement, on fuit en ignorant l'attaque de l'opportunité. Donc, du coup, je perds 3, c'est ce qu'on avait dit. 1, 2, 3, parce qu'on est 2. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Ben, je me déplace avec mon blessé. Ok. Ensuite, il faut réduire les temps, les pions de temps, c'est ça? Elle est où ma carte? Elle est là. Retirer les menhirs expirés. J'ai pas fait mon Saint Graal. Donc mon Saint Graal, je perds un déjà et je peux gagner soit un d'énergie, soit un point de vie, soit un de magie. Je vais gagner un d'énergie. Donc retirer. Les menhirs expirés et les retirer les lieux hors de portée d'un menhir, ok. Réduisez les cadrans des menhirs et les cadrans des temps. Je pense qu'ils se sont trompés dans le livre. Je pense pas que ce soit un pion quête. Je pense que c'est un pion temps. Parce que sinon, ça voudrait dire qu'on le baisse jamais et qu'on n'est jamais. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'on n'est jamais pris sur le temps. Parce qu'on réduit jamais le pion quête. Il faut savoir que les pions quêtes, on les réduit jamais dans l'aube. On réduit que les pions temps. Pour moi, c'est une erreur. Parce que pour moi, on doit avoir 2 tours pour l'amener. Sinon, elle crève, elle se vide de son sang. Donc clairement c'est une erreur. Donc là il passe à 1 déjà. Le menhir il réduit, il passe à 3 déjà. Et on prend un événement. Nouvelle menace. Piocher des cartes du paquet rencontre gris jusqu'à révéler un gardien. Et on doit le mettre dans le plus petit numéro. Donc c'est-à-dire 101. Et ça va pas être l'archère puisque on vient de la piocher qu'on l'a mis dessous. Et vu qu'on les prend dans l'ordre. Non. 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 Remarque, il n'y a peut-être que l'archère. Non. 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 Il n'y a peut-être que l'archère. Ah non. Chevalier errant. Ah oui, on l'avait déjà vu lui. Faut que je mélange le deck. Chevalier errant, on l'avait déjà vu lui. Il est un peu relou parce qu'il est fonceur, cet enfoiré. Hein. Vous vous rappelez lui? Après, il a combien de PV? 12. Franchement, on peut essayer de le tuer. Hein. Ça m'intéresse de le tuer. C'était lui là. Lui là. Je me rappelle de lui là quand on est mort. Donc il vient là en 101.
Ok, donc là on était à l'événement, je remélange le paquet gris. Ça m'intéresse de le faire, le chevalier fonceur pourri. Parce qu'en plus, il est fonceur et avec mon arme, je lui mets 3 cubes déjà à cet enfoiré. Donc il me fait quand même 2 points de vie, mais je lui mets 3 cubes quand même. Il est opportuniste. Ok. Ça m'intéresse de le tuer. J'ai mélangé le deck gris. On était à l'événement, donc maintenant je décide quel stuff je veux utiliser. Donc je ne prends pas mon mercenaire toujours. Et là maintenant c'est à nous de jouer. Ah non, avant il y a le gardien, pardon. Avant il faut déplacer le gardien, donc il faut lancer le dé. Je vais le lancer là-bas, je mélange bien. Sud. Donc, hop là, il y en a. Bah, ça ne m'arrange pas trop, hein, du coup, parce que je ne pourrais pas l'avoir. Ok. Là, j'ai choisi mon stuff, c'est bon. Maintenant, on passe à nous de jouer. Donc là, il faut que j'explore du coup. Il faut que je paye 2, j'ai pas le choix. Donc je paye 2, 1, 2 pour explorer. Donc j'explore ici. Et là, ça va me dire si vous avez la chair ou le planton ou je ne sais quoi. Je pense que ça va être ça. Donc 109. On aura sauvé quand même un gardien, hein, je ne veux pas dire. Donc j'espère que vous me donnez un truc de bien. 109. Si vous avez la carte secret, non. Si vous avez le statut pisteur et un cadran représentant l'archère, oui, on l'a. On a l'archère blessée. Allez, à l'entrée 11. Ok? Donc on y va. Entrée 11. Donc on retourne le livre. Non, on ne retourne pas le livre, on tourne la page. Ok. Ah, allez aux têtes de mort. Donc là, c'est un 1 obligatoirement. Ensuite, ça, c'est un 4. Et un 7, 1, 4, 7. Donc 147. 147. 147. Ok. Alors, l'archère vous remercie. Bah, l'intérêt. À contre-cœur, sérieux? C'est une salope, elle. Au salope là. Ah, faut pas dire ça les enfants. Donc l'archère vous remercie à contre-cœur et vous remet un cadeau d'adieu. Ouais. Chaque membre du groupe gagne un point d'expérience. Gagnez la carte secret 17, le charme du père du cerf. Défausser le cadran représentant l'archère, fin de l'exploration. C'est tout, c'est défoncé juste pour ça. J'espère que c'est bien le truc, hein. C'est quoi? Le 17. Le 17, j'espère que c'est bien. Ah, c'est pas le truc qu'on avait besoin pour ça? Non, là c'est 19. Là c'est 19, donc c'est pas 17. Donc 17, il est où? Ok, j'espère que c'est bien, franchement. Parce que si c'est pourri, je suis un peu deg. On va voir ce que c'est. Alors déjà, ce qui est, je sais pas, je vois en même temps que vous ce que vous voyez, hein. Ah oui, il faut que je mette une carte derrière parce que sinon on va galérer. Voilà. Alors déjà, je l'ai pas lu en bas encore, donc je sais pas du tout. Je sais pas ce que ça fait. Déjà, l'illustration, j'aime beaucoup. Mine de rien, c'est joli, je trouve. Enfin, c'est joli. C'est gore, mais je trouve que l'illustration est bien faite. Enfin, elle est belle. Ok. À quoi ça peut servir, on sait pas trop. J'espère que ça va servir pour la chasse, genre gagner de nourriture de plus, ouais. On va voir. Bah non, rien à voir. Quand vous piochez la rencontre archère, replacez-la au bas de son paquet, gagnez une nourriture et continuez la partie. Ah, ok. Donc, quand on pioche l'archère, la gardienne archère, on la met en bas et on gagne une nourriture. Elle nous aide maintenant. Maintenant, on est son ami. C'est ça. Donc, maintenant, on est son ami et en fait, elle nous aide. Elle nous donne une nourriture et puis elle se casse. D'accord. Donc, du coup, je l'ai aidée. Hein, donc là, hop. Bah merci, au revoir. Et du coup, elle se casse. Ok. Et du coup, de base, elle nous donnait quoi, elle? Une richesse, non? Je crois qu'elle nous donnait une richesse. Donc du coup, on perd quand même la richesse. Ils auraient pu nous donner la richesse, hein, quand même. Bon. D'accord. Bah écoutez, tout ça pour ça. Sachant que là, on est cappuccino, puisqu'on n'a plus d'énergie, et que lui va venir dans notre case. Il va falloir qu'on le jarte encore une fois. Mais en même temps, tant mieux, parce qu'il sera là. Il va pas nous faire chier. Donc à la rigueur, je vais mettre... Ah!
Alors attendez, là, ça peut être intéressant parce que si je me déplace, je suis à zéro. Donc ce qui fait que si je le fuis, je perds pas de d'énergie. Mais je vais devoir aller sur une case adjacente. Je pourrais aller ici. Après, lui, il va venir. Il va falloir que je repaye 2. On est d'accord? 2 pour me déplacer. Ce qui fait que pour 2 d'énergie, je peux être au bosquet des chasseurs. Au lieu de. Ben non, en fait. Ah non, c'est pareil en fait. T'es un peu con, toi. Si je laisse venir, c'est pas 2, c'est 4. Parce que ça, en plus, c'est même pas 4 parce que ça fait 1. Oui, ça fait 1. Là, les 2, je paye pas. Donc, je viens là. D'accord? Et après, je paye 2. Donc, ça fait 3. J'arrive au bosquet des chasseurs. Si je laisse venir, je paye 2. 1, 2. Je paye 4. Ah ah! Je paye 4! Si je laisse venir. Vous avez vu la feinte? C'est-à-dire que si je laisse venir, je paye 2 pour fuir, 3, 4. Si j'y vais maintenant, je paye 1, après 0, après il vient, je paye 2, donc 3. Donc je paierai 3 pour aller là au lieu de 4. La seule différence, c'est que là, il serait là, donc il va me faire chier, alors que là, il sera là, donc évidemment, pour un d'énergie, je préfère qu'il soit là, parce que sinon, il va me faire chier. Donc voilà. Ouais, on va faire ça. Donc je vais stopper là. Je mange ou pas? Ben ouais, mais il va falloir aller chercher de la nourriture. À la rigueur, ouais, je mange, donc je paye 1. Je gagne 4. 1, 2, 3, 4. Ok, jusque-là tout va bien. Le rêve à l'hospice, on l'a déjà fait. Il y avait quoi? Il y avait l'astuce, il n'y avait rien du tout. C'est pas la peine de regarder. Nouveau tour. Donc c'est à lui de jouer en premier. Donc lui il vient, c'est ce qu'on a dit. Donc je suis obligé de le fuir. Donc déjà, je vais mélanger mes cartes, savoir si je prends la terreur ou pas. Même pas besoin. Je prends la terreur, c'est pas grave. Donc je prends la terreur, je paye 2. 1, 2, je le fuis. Donc je me retrouve là. Du coup, il faut que je fasse une rencontre. Automatiquement. Donc une rencontre grise. Oh! J'ai mélangé, hein. Je vous assure, j'ai mélangé. C'est dingue! C'est vraiment dingue, je suis maudit. Donc, bah écoutez, je gagne la nourriture et je la remets dessous. Je vais vous montrer quand même parce qu'il va dire, ah, il la remet dessus, c'est un tricheur. Je la remets dessous, ok? J'ai mélangé, hein. Je la remets dessous grâce du coup parce que je l'ai aidé maintenant, elle m'aime bien. Donc ça, c'est fait. Maintenant, on passe au Saint Graal. Je perds un et je gagne un d'énergie. Tant qu'à faire. On réduit les temps, donc on réduit le menhir, il passe à 2, il va falloir bientôt l'activer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter et faire une chasse et après on l'activera. Lui, il est assez loin, donc c'est pas mal. Je prends une carte événement. Assaut nocturne. Oh. Pioche immédiatement une rencontre grise. Fuck. Évidemment, on a eu une rencontre grise bien avec l'archère. Là, il nous en donne une. Ah, les enfoirés. Allez, une rencontre grise. Héros des hommes, c'est quoi ça? On l'a jamais vu celui-là. Un homme aussi noble que vaillant, aimé de ses pairs et promis à la gloire, tout le contraire de vous. Ah bah super, c'est sympa ça. Défensif et rapide. Ah ouais, 11, il fait 5 de dégâts, il rigole pas lui, hein. Ok, on va essayer de le tuer. Franchement, il rigole pas lui quand même. Bon, il a pas énormément, mais par contre, il ne faut pas le mettre à 11, voilà. Faut surtout pas le mettre à 11, faut le tuer avant. Il est défensif et rapide. Ok. Bon, rapide, ça veut dire qu'on ne peut pas jouer plus de deux cartes, parce que là, tout va bien. Et défensif, ça veut dire que sur la première carte, il faut enlever un cube. Quand on met des cubes sur la première carte. Donc le but, c'est pas de mettre des cubes sur la première carte, sauf si on n'a pas le choix, évidemment. Une, deux, trois. Déjà, je lui mets déjà un cube parce que j'ai mon corps de bataille, déjà. Donc toi, tu t'es pris une claque déjà, gratuitement. Cibler le point faible, moyen. Supériorité tactique, moyen. Défense, ça va nous aider. Tous les paires. Ah, mais il se replie à 8-10, l'enfoiré. Tous les paires, il nous attaque. 0, 2, 4, 6, il nous attaque. Par contre, tous les impairs, il perd des cubes. Donc, à la rigueur, il faudra essayer de le mettre en impair. Ou alors, de le mettre en défense. De toute façon, là, j'ai pas vraiment le choix, on va dire.
Parce que j'ai que dalle en carte. J'ai double serpent? Non, j'ai pas double serpent. Est-ce que je peux faire ça? Ouais, je peux faire ça pour avoir un x3. À la rigueur, je pourrais faire comme ça. Et comme ça. À la rigueur, je peux jouer mes trois cartes. Ah, mais non, je peux pas. Je peux jouer avec deux cartes. Il est rapide. À la rigueur, je pourrais faire ça et après ça. Ce qui fait, je paye une charge, j'annule deux dégâts. Donc, il me fait zéro dégâts. Il y a une clé serpent? Non, mais il me fait quand même zéro dégâts. Ok, donc je vais faire ça. Donc, je vais jouer cibler le point faible. Ah non, attendez. Le problème de cibler le point faible, c'est que je gagne un cube là. Donc, du coup, ça fait un, ça fait trois cubes. Donc, en fait, si je joue que cibler le point faible, il m'attaque pas et j'ignore les pertes. Donc je gagne un tour. Donc je vais faire ça. Donc je joue cibler le point faible. Je lui mets un cube. Plus un cube pour chacun de vos points. Donc deux cubes. Donc je lui mets deux cubes. Ok? Donc il est à 3. Fin de mon tour. À 3, il me fait perdre deux cubes. Mais on ignore toutes les pertes de cubes grâce à cibler le point faible. Donc voilà. Fin du tour. Contrôle de carte. On est bon. On pioche une carte. Piège entravant. Pas mal. Nouveau tour. Bah, j'ai rien pour lui mettre des cubes, c'est un peu con. Si je pourrais mettre, je pourrais mettre piège. Si je mets piège. Ah, oh, mais non, c'est nul piège. Bah, non, c'est pas nul. Je pourrais piocher des cartes si je mets piège. En même temps, si je fais défense et piège, je pioche des cartes aussi. Je pioche deux. À la rigueur. Ouais, c'est pas mal. Et en même temps, autant piocher, autant il me fait perdre deux cubes. Donc autant jouer autant jouer défense, ce qui me permet de piocher également une carte. Ouais. Ou alors, supériorité tactique. Bon, je perds un d'énergie, ok. Le problème, c'est que. Ah ben non, j'annule deux dégâts. Lui, il me fait gagner des. Les cubes. Donc c'est nul. Le mieux c'est piège entravant. Ouais, bof. Bof, bof. Faut jouer une carte obligatoirement. Le mieux c'est défensif. Défense, pardon. Ça me permet de piocher une carte. Bah, piège entravant aussi, ça me permet de piocher une carte. Les deux me permettent de piocher une carte dans tous les cas. Je vais jouer piège entravant. Donc du coup, je pioche une carte. Ah, voyons, enfin une carte. Fin de mon tour. À lui de jouer. À l'attaque de la place ennemie, on retire un cube, puis on défausse la carte. Ok, fin du tour. Je pioche une carte. Nouveau tour. Ok, repositionnement, c'est nul. Écoutez, je pense qu'on va jouer lancer, ce qui me permet de lui mettre 1, 2, 3, 4 avec mon arme. Je vais utiliser mon arme, mais pas mon bouclier. Hein. Il serait à 6. À 6, il me fait 3 dégâts. Mais derrière, je peux jouer défense. Donc, je vais jouer ça. Donc, 1, 2, 3, 4. Je retourne mon arme et pas mon bouclier. D'accord? Donc, 1, 2, 3, 4. J'enlève 1, ça fait 5. Ça, c'est ma première carte. Ma deuxième carte, je vais jouer défense. Ah, je peux pas double clé serpent. Si je veux jouer défense, je suis obligé de payer un de magie. À moins que. Ah mince, mais je peux pas jouer plus de deux cartes. Sinon, j'aurais pu jouer repositionnement et défense, mais je peux pas. Autrement, je peux jouer simplement supériorité. Ah, mais non, je peux pas parce que c'est bloqué. Putain! Bon, j'ai pas le choix, je joue défense, je paye un de magie. J'ai vraiment pas le choix. Ok. Donc lui, à lui de jouer 6, il me fait 3 dégâts, mais j'annule déjà un dégât avec mon armure. Donc ça fait 2 dégâts et j'annule 2 dégâts avec la défense. Donc 0 dégâts. Fin de son tour, on pioche une carte. Parfait, nouveau tour, on enlève ça, on pioche une carte. Ok, donc là on a fossile, c'est parfait. Ça fait qu'on met combien avec fossile? On met 7. Et il est mort. Donc je joue fossile. Donc je lui mets 7, on est d'accord? Plus un 8.
Voilà. Donc du coup, il est à 13. Fin du tour. Fin du tour, 13, il est HS. Ah non, attendez. Je me suis trompé. Parce qu'il est défensif. Donc là, je lui mets un cube de moins. Et sur lancer aussi, je lui mets un cube de moins. Ce que je vais faire, c'est que pour pas tricher, je vais payer un de magie à lancer. Voilà. J'ai payé un de magie à lancer, ce qui fait que je compte pas le cube de la magie, puisque c'est un cube de moins, vu qu'il est défensif, comme ça il n'y a pas de triche par rapport à ce qu'il a fait. Et là maintenant je joue lancer de fossile et du coup je perds un cube. Donc il est à 12, donc c'est bon. Contrôle de victoire, c'est bon. Voilà. C'est juste que j'ai payé un de magie pour lancer. Ok. Bon ben voilà, parfait. Bon, il était pas si. Il était pas très dur. Hein. Je me demande si la première carte que j'ai jouée, j'ai utilisé, j'ai fait défense. La première carte que j'ai jouée, j'ai mis deux cubes. Il n'y avait pas de cube, la première carte. Non. Ok, on va dire que le combat est faussé, on recommence. Parce que j'ai oublié défense. Ok, il m'a pas fait de points de vie. J'ai pas perdu d'énergie. J'ai juste perdu deux de magie. Donc je les remets quand même. Voilà, on va dire que c'est l'entraînement. On recommence. Parce que j'ai oublié défensif. Et je crois que sur la première carte, il y avait une défensif. Donc c'est le combat est faussé. Bon, c'est pas la peine. On recommence. J'ai déjà fait l'erreur tout à l'heure sur le lieu là, on va pas faire 50 fois des erreurs. Donc 3. Feinte. Défense. Piège entravant. Ok. Ah, le mieux c'est peut-être de. Du coup je mets un cube parce que avec mon corps j'ai un cube, ça c'est sûr. Le mieux c'est peut-être de jouer feinte. Si je lui mets feinte, on est d'accord que je lui mets 0 cube. La défense. Donc ça sert à rien. Enfin, non, ça sert pas à rien en fait. Parce que si je lui mets feinte, lui il me fait perdre 2 cubes, mais du coup je les gagne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça sert pas à rien en fin de compte. Et je pense que c'est même le meilleur play à faire. Parce que je pourrais faire ça et ça en payant de magie. Ce qui fait que là par contre, je lui mettrai 2 et 3. Je lui mets 3, ah, il sera à 5. Ouais. Effectivement, ça marcherait aussi. Cinq, ça marcherait aussi. Effectivement, ça marcherait aussi. Ouais. Bon, je perds ma défense quand même. Mais derrière, j'ai mon piège toujours. Ah ouais. C'est vrai que ça marcherait. Ce qui me permettrait de gagner 2 cubes. Bon, je pense que c'est ce que je vais faire. Donc, je vais jouer défense. Première carte. Deuxième carte, je joue feinte que je paye un magie. Du coup, là, vu que c'est la deuxième carte, je mets bien 3 cubes. Ah, mais du coup, il est à 4. Ça va pas. Ah bah oui, ça va pas, il est à 4. Je veux pas qu'il soit à 4, je veux qu'il soit à 3. Allez, donc ça va pas du tout. Faut pas faire ça. Faut pas jouer défense. Faut juste jouer feinte, simplement. Donc, je joue feinte, point. Qui me permet de lui mettre 0 cube puisque là il y a double clé que j'ai pas là je lui mets 1 mais comme il est défense ça fait 0 voilà fin de mon tour lui a 1 il doit perdre 2 cubes sauf que là avec feinte du coup je les perds pas je les gagne donc boum il se prend 2 cubes fin du tour on contrôle les cartes j'en ai 2 c'est bon on pioche une carte nouveau tour. Ben, je pourrais faire ça pour piocher 2 cartes à la rigueur. Ou alors je joue pas. Je joue pas, ce qui fait qu'il me fait une attaque d'opportunité. Donc je prends une blessure avec mon arme, je lui mets un cube. Clairement. Ça fait 4. Ouais, ça va pas. Ça va pas du tout. Faut pas que je sois à 4. Donc faut que je joue une carte. Ah, j'ai joué piège entravant, qui me permet de piocher des cartes. Je vais jouer piège entravant. Je pioche 2 cartes.
Supériorité et... Oh, putain, mais on a que des cartes de soutien, là. C'est abusé. On a que des cartes de soutien, de... ouais, bon, à part elle. De toute façon, là, j'ai... Ah non, là, c'est ma première carte. Je pourrais jouer celle-là, là, ailleurs. C'est une rencontre verte, non, c'est blanche. Donc je vais jouer. Ouais, mais ça sert à rien que je fasse ça. Ah si, à piocher. Ouais, à piocher. Mais bon, ça sert à rien quand même. On a que des cartes de soutien, on peut pas lui mettre de dégâts. Bon. Ouais. Bah, je stoppe mon tour là. Donc lui, il fait 3. À 3, il me fait perdre 2 cubes. Ah non, c'est à la place de l'attaque ennemie, je perds un cube, donc je perds un cube. Et je défausse la carte, donc je défausse la carte. Fin du tour, contrôle des cartes, j'en ai une de trop, donc je vais enlever repositionnement. Je pioche une carte. Nouveau tour. Supériorité tactique, super. Le truc qui sert à rien. Et il a combien? Il est à 2. Ouais, je vais le mettre à 3 encore. Si je joue ça, je peux le mettre à 3. Ah non, c'est pas une rencontre verte, je le mets pas à 3, je suis con. Oh non. Bon, bah écoutez, est-ce que je joue ça, défense? À 2, il me fait 3 points de blessure, mais si je joue défense, il me fera rien du tout. Bah, je vais jouer défense. Ok, à lui de jouer. Donc lui, à 2, je vais mettre un pion de temps. Donc lui, à 2, il me fait 3 dégâts. Mais j'annule un dégât avec mon armure. Et deux dégâts avec ma défense, donc zéro dégâts. Fin du tour, contrôle, c'est bon, je pioche une carte. Soutien. Ah, mais hey, c'est dingue, on a que des soutiens. C'est quoi ce délire? Trop de soutien, tu le soutiens. Il va falloir, on va en enlever, je crois, hein, parce que c'est n'importe quoi. Soutien ferme, on l'a tout le temps deux fois. C'est relou, ok. Nouveau tour, donc j'enlève ça pour piocher une carte. C'est bon, je peux piocher du combat ou pas? Même pas, défense. Et j'ai pioché pour l'instant. J'ai pioché 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 cartes sur 18 que mes défenses ou mes soutiens. Je n'ai pas pioché encore une seule fois mes cartes combat. C'est quand même dingue. On est d'accord. Le mob, il aurait dû être mort déjà depuis un quart d'heure. Donc je pense que là, je vais enlever des trucs parce que ça va me saouler. Et c'est pas la première fois que ça arrive, hein, tout ça. Donc je pense que je vais enlever genre ça. Je vais enlever un soutien. Voilà. Je pense que je vais enlever au moins deux cartes pour repasser à 10, à 16 ou 15. Ouais, 15, 16. Allez, 16, on va dire 16, pour, parce que là, c'est trop le bordel. Là, on a pas, on a, voilà, c'est nul. Ça va pas. Ça va pas du tout. Ok. Donc là, ben, si vous voulez que je fasse, j'ai que du soutien. Oui, je peux jouer défense encore. Parce qu'à 2, pareil, hein, je vais jouer défense, il va pas me faire de combat. Je vais piocher une carte, comme d'hab. Enfin, non, je pioche une carte avec le serpent. Ouais, bah écoutez, je vais jouer ça, hein, j'ai pas le choix. Hein. Donc je vais jouer, je nique toutes mes défenses alors qu'elle devrait être jouée en deuxième celle-là. Est-ce que si je joue supériorité stratégique, je peux piocher? Non, je peux pas. Ça, je peux pas. Ça, je peux pas. Sauf payer évidemment en magie, mais j'ai pas envie. Autrement, faudrait que je joue. Pour piocher, il faudrait que je joue. Comme ça me plaît pas. Bah non, je peux même pas, c'est double serpent. Faudrait que je joue ça me plaît pas. Donc je vais jouer défense, j'ai pas le choix. Première carte. Pas le choix, de toute façon, je peux rien faire d'autre. Là, je peux pas piocher. Je vais pas payer un magie. Là, c'est HS. Donc je joue défense, qui me permet de piocher une carte serpent. Donc je pioche une carte. Ah bah dis donc. Ok, prochain tour. Je stoppe mon tour là. C'est quand même dingue. Hein. Donc lui, il me fait 2, 3 blessures. Donc j'annule les 3 toujours. Il y en a avec mon armure là. Contrôle de main, j'en ai trop évidemment. Je vais virer. Donc ça, je garde. Je vais virer un soutien déjà qui ne me sert à rien. Et je vais virer.
Ça, je vais la garder du coup parce que ça apporte quand même de la défense. Donc je vais virer, c'est les mêmes. C'est les mêmes, sauf qu'elle, je peux piocher une carte à la rigueur. Donc je vais virer soutien, voilà. Donc je suis à 3 cartes, fin du tour, je pioche une carte. Ah, enfin, elles arrivent mes attaques. Nouveau tour, j'enlève ça, je pioche une carte. Encore une défense. Ok, mes cartes arrivent quand même, mais bon, un peu tard. Je joue ça. Ça fait 7. Il est à 9. Il fait quoi à 9? Il fait repli. Mince. Mince. Ça va pas ça. Repli, ça va pas, coco. 9, il replie. Putain, c'est enfoiré, 9, il replie, je veux pas qu'il te replie. Quand il se replie, l'ennemi. Ouais, non, j'ai pas de. Quand il se replie, j'ai pas de récompense. Attends, tu vas me donner la récompense, hein, j'ai pas fait ça pour rien. En plus. Ah non, 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 je me suis trompé. Ouh là là, je suis en train de faire la même erreur que tout à l'heure. Il me fait pas 7, puisqu'il a défense, c'est ma première carte jouée. Il me fait 6, donc j'enlève un cube. Donc je suis à 8. Bon, il se replie quand même. Ça change rien. Mais quand même, il est quand même à 8. On est bien d'accord. Parce qu'il a défense. C'est con que je peux pas jouer ça. Je peux jouer que 2 cartes max. Donc dans tous les cas, il se replie. Donc je peux pas jouer ça parce qu'il se replie, évidemment. Donc je le joue pas. Donc j'enlève 6. Il était à 2, hein. Faut que je joue ça, mais pas avec un x2 en bas, en fait, simplement. Donc là, je vais jouer attaque prudente. Et je peux la jouer en combo, elle, à la rigueur. Donc, qu'est-ce que je pourrais jouer derrière ça? Comme ça fonctionnerait derrière une défense. Là, ça fonctionne pas, j'ai pas double serpent. Là, ça fonctionne. Ce qui me permet de piocher une carte. Et je lui mets 2 cubes, 4. Ouais, c'est pas mal. Là, il ne fait pas de dégâts. Donc je vais faire ça. Je vais jouer supériorité. Première carte. Supériorité stratégique. Je pioche une carte, les serpents. Et derrière, je vais jouer attaque prudente, les serpents, du coup. Et je mets donc 2 cubes. Par contre, là, ça marche bien, les deux, parce que c'est pas la première carte. J'ai joué mes 2 cartes, donc c'est à lui de jouer. Donc à 4. Il me fait 3 points de dégâts, mais j'annule un point de dégâts avec mon armure. Donc ça fait 1 en moins. Donc ça fait 2. J'annule un point de dégâts pour ma clé serpent, vu que c'est relais. Donc ça fait 1. Et j'annule un point de dégâts ici, ça fait 0. Ok, fin du tour. Faut que je défausse une carte. Je vais défausser supériorité tactique. En fait, elle est pas ouf, elle, hein. Tant que j'ai pas les deux clés serpents, elle est pas ouf. Je vais peut-être l'enlever aussi. Ok. Et je la reprendrai quand j'aurai les doubles clés serpents. Parce que sans les doubles clés serpents, franchement, ça fait quoi? Bah, ça fait 3 fois 2, 6. Ok. Je la mets là, je suis à 7. Donc c'est la même chose. Hein. Donc en fait, elle devient utile quand on a les doubles clés serpents ou quand une attaque fait avec les tortues. Mais j'ai pas d'attaque avec les tortues. Donc. Non. Fin du tour, je pioche une carte. Nouveau tour. Donc là, je lui ferai 7. Il serait à 11. 11, il part? Ouais. Ah non, 11, il me fait 5 de dégâts. Donc derrière, je pourrais jouer une défense. Est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Ce qui fait que j'annule 2. Il y a une serpent? Non, il n'y a pas de serpent. Donc il me fait 5, moins 2, 3, moins 1, 2. Il me fait 2 dégâts. 2 dégâts, le petit coco. Ah non, 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 si je joue ça en premier, je suis à 6. Il est à 10. 10, il se replie, ça va pas. Dans tous les cas, ça va pas. Donc faut que je joue elle. Donc je vais jouer coup handicapant. Donc je lui mets 3, mais là du coup, avec sa défense, je lui mets que 2. Donc j'enlève 3, ça fait 5. Il est à 6. Du coup, derrière, je vais jouer défense.
Je joue défense. C'est ma deuxième carte. Ok. Donc à lui de jouer 6, il me fait 3 blessures, mais j'annule une blessure avec mon bouclier. Et j'annule 2 blessures avec ma défense. Donc il ne me fait pas de dégâts. Fin du tour, je pioche une carte. Le contrôle, c'est bon, je pioche une carte. Lancer. Nouveau tour, j'enlève le petit pion et je pioche une carte. Attaque surprise. Donc là, il est à 6, il faudrait lui faire 6. Est-ce que je peux lui faire 6? Si je fais ça, je lui fais 6, il meurt. On n'en parle plus. Donc je joue lancer de fossile. Donc normalement, je devrais lui mettre 7, mais à cause de sa défense, je lui mets que 6. Donc là, il y a déjà 6, mais si c'est 6, 12. Contrôle de victoire, 12, il est mort. Ok, c'est bon. Bon, il était un peu relou parce que parce qu'il se replie, voilà, il nous a pas fait de dégâts, donc. Mais c'est normal, on a beaucoup de défense dans le deck, hein, donc c'est normal qu'il nous fasse pas de dégâts. Mais un peu relou parce qu'il se replie. Et puis surtout, on a perdu beaucoup de temps. Pourquoi? Parce que les 6 premières cartes qu'on a piochées du deck, c'était que des cartes de défensif. Il va falloir qu'on en enlève 2 ou 3 là de cartes, ça va pas. Donc je gagne un point d'expérience. 2 de richesse. Et un objet. Ah, ça c'est cool. Je prends le premier objet de la pile. Voilà, au pif, c'est quoi? Une arme, bâton des arcanes. Ça fait quoi ça? Gagnez un cube chaque fois que vous reliez une clé magique en combat. C'est pas mal ça. Pas mal. Ça ferait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Mais vous doutez bien qu'on va pas qu'on paye pas de la magie à chaque fois. Donc c'est bien et pas bien. Je préfère mon arme. Donc hop, c'est à vendre. Laisse tomber toutes les armes que j'ai à vendre. Ok. Donc là, on est bon. On est bon dans le sens, il n'y a pas eu de triche, on a bien fait le truc gris. Alors je crois que j'ai quand même loupé un truc gris, hein, mais tant pis, ça peut arriver. Hein. Ok, on était où là d'ailleurs? Lui s'est déplacé, il m'a fait venir là, j'ai fait la rencontre grise, on est d'accord. Mais du coup, on était toujours dans l'aube. J'avais même pas fait mon. Si je l'avais fait ou pas le Saint Graal? Merde, je sais plus. Je sais plus si j'ai. Non, j'ai pas fait le Saint Graal parce que je commence toujours par lui. Non, j'ai pas fait le Saint Graal. 1, 2, 3, non, j'ai pas fait. Donc Saint Graal, je perds un de terreur, je gagne soit de magie, soit un d'énergie. Je vais gagner un d'énergie. Ensuite, on réduit les menhirs. Donc lui, il passe à 1. On pioche une carte événement. Beau temps, parfait. On joue le gardien. S'il monte, ça m'arrange, je peux le tuer. S'il monte pas, je vais pas aller le chercher. Parce qu'il faut que j'active le menhir après. West. Donc il monte pas, il va là. Donc je peux pas me permettre d'aller le chercher parce que le menhir il est à 1. Ok, donc encore un tour. Donc il faut absolument que j'aille le allumer lui. Une fois qu'il est allumé, après je pourrai aller le chercher au pire. Donc mon stuff, je laisse comme ça, je touche à rien. Ensuite, c'est à moi de jouer. J'utilise mon beau temps pour me déplacer. Est-ce qu'on fait une rencontre bleue pour gagner des trucs? Et après on va au chasseur. En fait, soit je pourrais passer par là et après aller au bosquet, soit passer par là et après aller au bosquet, c'est la même chose. Sauf que là on fait une rencontre bleue, ce qui nous permet à la rigueur de gagner des trucs. Ça peut être sympa, gagner de l'expérience. Donc je vais faire ça. Je me déplace gratuitement au blanc lichen pour faire une rencontre bleue. Ok. Et qui est hallucination. Il nous donne de l'expérience. Oui, parfait. Donc il y a deux paliers, on peut choisir. Soit on prend le palier traverser la foule ou soit jouer au fou. On va voir suivant les cartes qu'on a, mais je pense qu'on va traverser la foule quand même. Hallucination, on l'a déjà faite celle-là. Ok. On mélange bien. À la fin de l'aube, il faudra absolument que je refasse le deck combat parce que ça va pas. Ça va faire 2-3 combats que j'ai trop de défense, trop de. Vous voyez ce que je veux dire? Défense, c'est bien. C'est bien d'en avoir, mais. Faut avoir un juste milieu, je pense. Faut qu'on refasse parce qu'il y a trop. Ça va pas. Trop de cartes. 6 cartes comme ça, sans piocher une attaque, c'est qu'il y a un problème. Ou alors c'est que je mélange mal, mais pourtant, je mélange plutôt pas mal.
Ok, 1, 2, 3. Cacher ses peurs. Ça, c'est une nouvelle carte qu'on a eue il n'y a pas longtemps. Voix apaisante. Et gagner du temps, qui est... j'aime beaucoup. Il y a un palier. On va prendre quoi? Ben, on va prendre. Si je prends le hibou, je gagne un là. C'est tout. Le but, c'est de jouer ça en premier. Si l'affinité n'est pas verte, j'augmente de 1. Donc là, j'augmenterai de 1 déjà. D'accord? J'augmenterai de 1. Derrière, je peux jouer ça. Ce qui me fait augmenter de 1. Donc ça fait 2. Je pioche une carte. Et voilà, c'est tout ce que je peux faire avec le hibou. Si je prends la prudence, ça fait pareil. Ah, si je fais ça, ouais. Si je fais ça, j'augmente de 2 pareil en fait. Ça change strictement rien. Ça change rien parce que si je joue ça, que j'ai la clé prudence ou hibou, ça va monter de 1 dans tous les cas. D'accord? Donc là, on imagine que ça monte de 1. Je pioche une carte. Derrière, je joue ça. Ça monte de 1 là. Et ça monte de 1 là. Donc je monte de 3. Je monte de 3. À la rigueur, on va pas prendre. Le but, c'est de ne pas prendre de dégâts. Je vais prendre la clé prudence. Je vais prendre la clé prudence plus le. En fait, je prends le. Putain, je suis con. Je prends le premier palier. Pourquoi? Parce que là, c'est de la prudence. Pourquoi? Parce que là, ça fait des dégâts. Et là, j'annule les dégâts. Donc déjà, je gagne un tour. Je suis au palier 3. Il va me faire descendre de 1. Il ne manquera plus que 3. Donc j'espère. Ouais, normalement, ça devrait le faire. Donc je prends le premier palier. Donc je joue. Je joue ça. Ça me fait monter de 1. Chaque membre du groupe pioche une carte. Je pioche une carte. Ok. Derrière, je joue ça avec ma clé hibou. Ce qui me fait monter de 1 aussi. Et après, si l'affinité n'est pas verte, monter de 1. Donc je monte de 1 puisqu'elle n'est pas verte. Donc je monte, là, je monte de 3 déjà. Après, là, il n'y a pas d'intérêt. Donc après, je stoppe mon tour. Lui, il me fait descendre de 1. Il me fait une blessure, mais annuler toutes les blessures. Donc c'est annulé. Fin du tour, je pioche une carte. Chanson captivante, nouveau tour. Le mieux, c'est comme ça. Ah, double hibou, je peux pas, double hibou. Non, double hibou, je peux pas. Mince, je peux pas, double hibou. Double hibou, je peux pas. Donc, sinon, je me mettrai 2 points. Donc, le mieux, à la rigueur, c'est que je joue ça en premier. Si je joue ça, ça change quoi? Strictement rien. Mais après, je joue ça pour ignorer la réponse. Donc, je vais jouer ça. Première carte. J'augmente de 1. C'est tout. Si l'affinité n'est pas verte, perdez une réputation. Mais là, elle est verte, donc c'est bon. Deuxième carte, je vais jouer. Je ne peux pas jouer gagner du temps. Et ça enfin, si, je pourrais jouer gagner du temps en payant de magie. Mais ça m'intéresse. De pas payer de magie. Donc je vais jouer d'abord interprétation magistrale en combo. Et après en combo, je vais jouer ignorer la réponse. Voilà. Fin de mon tour. Ça monte pas du coup. Fin de mon tour, on ignore la réponse. Et j'enlève cette carte. Je pioche une carte, nouveau tour. Soutien. Ouais, ça c'est nul. Bah, c'est pas nul. Donc je joue soutien qui me permet de piocher une carte. Ok, ça je peux pas la jouer. Je peux pas la jouer, donc je suis baise. Donc, fin de mon tour. Lui, il me fait descendre de 1, il met une blessure. Cette fois, je peux pas l'annuler. Fin du tour, on pioche une carte. Empathie, ça c'est parfait. Ça va me permettre de monter de 2 et 1, 3 et c'est fini. Donc, je joue empathie, première carte. J'augmente de 2 et 1, 3. 1, 2, 3. Fin de mon tour, on est tout en haut, on a gagné. Bon, on a pris un point de dégâts parce qu'on n'a pas eu empathie avant, mais si on avait eu empathie avant, on prenait pas de dégâts. Dommage. Mais bon, ça va encore un point de dégâts, c'est pas dramatique. Ça nous permet aussi de nous gagner un point d'expérience. Clairement,
Ça vaut le coup. Donc, on enlève ça et je gagne récompense. Un point d'expérience, du coup. Ça fait 5. Ça, c'est cool. Et 2 de magie. Ah oui, 2 de magie quand même. C'est pas rien. Donc, j'enlève 3. Ça fera 5. On commence à être pas mal en magie, là. Oula. J'ai tapé la caméra. Ok. Et ensuite, c'était bien à moi de jouer, là, on est d'accord. Je me déplace de 1 pour aller au bosquet du chasseur. Et on a vu qu'il y avait plein de trucs à faire ici, mais on n'a pas vraiment le temps. Là, au prochain tour, on enlève la pièce. Donc, il nous reste un seul tour avant de réactiver le menhir. Donc, à la rigueur, on peut chasser une fois et après, on activera le menhir. Donc, chasse une fois, 1, 2, pour faire la chasse. Donc, je paye 2. Enfin, je gagne 2, je veux dire, nourriture. Voilà. Je prends une rencontre verte. Ah, bah tiens, on la connaît, elle. Le petit gardien, je give des sous-bois. On le connaît, lui. On le connaît bien, lui. Donc là, il y a intérêt d'avoir un bon deck, là. Hein. Donc, on mélange bien comme il faut. Déjà, je lui mets un cube, puisque il y a mon machin. Ok. Donc, on l'a battu plein de fois. Donc, il ne me fait vraiment pas peur. En plus, il me donne 3 nourritures, vraiment bien. Je vais casser les séquences. Ah ouais, ça prend un peu de temps, je suis désolé, mais j'ai pas envie d'avoir 6 cartes. 6 cartes les défenses. Contre lui, ça va pas pardonner, hein, je vous le dis direct. L'autre, c'était un bébé, mais là. Là, ça va pas le faire. Là. Il faut absolument avoir des bonnes cartes. Ok. Ok. Allez, 1, 2, 3. C'est parti. Souhaitons bonne chance. J'ai à la chef, comme on dirait. Ok, c'est parti. On a quoi? Maléfice. Ok, ça commence pas trop mal. Coup handicapant. Défense. C'est parfait. Là, c'est une main parfaite. Ce qui me permet d'avoir des dégâts et de la défense. C'est une main parfaite. Maintenant, il faut qu'on voit qu'est-ce qu'on peut faire. Il faut obligatoirement jouer 2 cartes, sinon lui nous fait une attaque d'opportunité. Donc déjà, Maléfice, je ne peux pas la jouer en deuxième ni coup handicapant. Donc obligatoirement, je serai obligé de jouer défense. Défense ne joue que avec Maléfice, ne joue pas avec coup handicapant. Okay? Donc déjà, je ne peux pas jouer coup handicapant à ce tour-là, sinon je ne pourrais pas jouer 2 cartes. Donc, ce qui veut dire que si je joue coup handicapant, je lui mets effectivement 2 dégâts, il passe à 3. Sauf qu'il me fait une attaque d'opportunité. Donc, il passe à 2 cubes et il me fait défausser la carte. D'accord? Et après, il me fait 2 points de dégâts. Donc, c'est nul. Donc, je ne vais pas faire ça. Donc, je vais faire plutôt Maléfice. Je lui mets un cube. C'est pas beaucoup. Mais au moins, je peux jouer 2 cartes. Et je pioche une carte. Donc, ça, c'est cool. Attaque surprise que je ne peux pas jouer également. Je ne peux pas jouer en bonus. Donc, derrière, je vais jouer défense. Je pense que ça, c'est bien. Je fin de mon tour. Donc, il n'y a pas d'attaque d'opportunité. À lui de jouer. Lui, il me fait 2 points de dégâts, mais ils sont annulés avec la défense. Fin du tour, je pioche une carte. Intouchable. Ouh là là, c'est parfait. Nouveau tour. J'enlève ça, je pioche une carte. Cibler le point faible. Ok. Là, le but, ça serait limite de jouer intouchable, ce qui fait qu'il ne nous touche jamais. En première carte. Ou en combo magie. Donc clairement, ça vaut le coup de jouer la combo magie hein, avec elle. Donc à la rigueur, je pourrais lui mettre des dégâts, pas coup handicapant parce qu'il n'y a pas de clé magie. Mais par contre, je pourrais lui mettre une attaque surprise et derrière combo magie. Par exemple. Ce qui fait que je lui mets masse cube et lui, il ne me fait pas de dégâts. J'ai intouchable. Dans tous les cas, maintenant que j'ai intouchable, il ne me fera plus de dégâts. Ou alors, je peux jouer simplement cibler le point faible. Avec intouchable. Si je joue cibler le point faible, je lui mets 2 dégâts plus 1 dégât ici. Donc je lui mets 3 dégâts. Si je joue attaque surprise, je lui mets 2, 3 dégâts, pareil qu'avec l'autre, mais je pioche une carte. Donc je préfère faire ça. Donc je vais jouer, évidemment je ne veux pas payer de magie. Donc je vais jouer attaque surprise, je lui mets 2 et 1, 3 et 2, 5. Derrière, je joue intouchable avec une magie. Donc, je gagne 2 charges.
J'ai oublié de piocher la carte. Là, je pioche la carte. Ok, je lui lance cette fossile. Pas mal. Ok. Donc là, intouchable. Derrière, je pourrais encore jouer double tortue. Non, je peux pas jouer double tortue. Ok, donc derrière, je peux plus jouer. Ok. Fin de mon tour. À 5, il me fait un point de dégâts. C'est tout? Ouais. Ça fait chier. Là, je suis obligé de. Donc je défends, je dépense un cube, il me fait pas de dégâts, puis voilà. Ok. Fin du tour, je pioche une carte. Attaque prudente cette fois. Si je joue lancer de fossile, il n'y a pas double serpent, donc je lui mets que deux cubes. C'est un peu pourri. Il faudrait un petit peu la maximiser, donc il faut que je finisse sur quelque chose. Donc à la rigueur, et en plus il faut jouer deux cartes. Donc à la rigueur, je pourrais jouer. Ben, pas ça, parce que c'est pas maxi. Celle-là, on a vu que je ne pouvais pas la jouer parce que pour l'instant je n'ai pas de combo avec. Handicapant. D'ailleurs, il faudra qu'on regarde si on a des combos tortues, mais si on n'a pas de combo de tortue, c'est là, on ne peut jamais la jouer pratiquement. Donc là, soit je joue comme ça ou comme ça. C'est pareil, hein. Faut juste calculer. Si je joue comme ça, je gagne un cube. Derrière, je joue ça, je gagne deux cubes, donc trois cubes. Plus un là, quatre. Quatre cubes. Si je fais l'inverse, si je fais ça, je gagne un cube plus. Plus 1, 2. Plus 1, 3. Donc, je lui mets que 3 à la place de 4. Mais du coup, il est à 7. Il ne me fait pas perdre de cubes dans tous les cas. Donc, il n'y a pas d'intérêt. Et en même temps, si je finis comme ça, je suis à 7. Derrière, je peux faire fossile. Ce qui fait 7, ça fait 14. Et il meurt. Donc, il vaut mieux faire ça. Par contre, il faudrait que je joue une autre carte derrière fossile. Parce que sinon. Mais non, qu'est-ce que je dis moi? Attendez, je dis n'importe quoi. On recommence. Si je fais ça et ça, donc si je fais ça, ça fait 1, 2, 3, ça fait 7. Ok? Derrière, je lui mets fossile, ça fait 7 aussi. Ça fait 14, il n'est pas mort. Il a 15 de vie. Donc il n'est pas mort. Et en plus, à 14, il se replie. Donc c'est pas ce qu'il faut faire. Donc il faudra peut-être faire ça. Donc 7, 8, 9, 10. Et après. Non, après ça va pas. Après ça va pas. Donc vaut mieux tout de suite lui mettre plus, je pense. Je pense, hein. Ou pas. Non, non. Vaut mieux garder le x2. Pour lancer de fossile. Il faut juste le monter un peu avant d'utiliser lancer de fossile. Donc à la rigueur, il vaut mieux faire comme ça. Je pense qu'il vaut mieux faire comme ça. Donc je vais jouer attaque prudente. Je mets un cube. Derrière, je joue. Cibler le point faible, donc je mets 2 cubes plus 1, donc 3. Voilà. Et du coup, il est à 9. Donc du coup, c'est à lui de jouer. Donc 9, il me met 2 blessures et je gagne 1 de terreur. Donc je défausse intouchable, donc il me met 0 blessure. Je gagne 1 de terreur, mais je retourne mon masque, mon casque. Je retourne mon casque, il ne met pas de terreur. Fin du tour. Pioche une carte. Là, le problème, c'est que si je joue fossile, est-ce que je peux jouer un combo derrière? Non, je peux pas. C'est ça le problème. C'est que derrière fossile, je peux pas jouer de combo. J'ai pas de combo et du coup, il m'enlève un cube, sans foirer. Parce que là, si je joue fossile, ça fait combien? Ça fait 5. Il est à 14. Ouais, il est à 14. Il est à 14 et il m'enlève un cube. Ça fait 13 et il se replie. Donc ça vaut pas le coup. Donc vaut mieux que je joue autre chose. Ici, pour chaque combat violet, donc ici je pourrais mettre 1. À la rigueur, si je joue ça, je lui mets un cube. Il passera à 10.
Et si je joue ça, je lui mets deux cubes. Il passe à 11. Il passe à 11. Mais en plus, j'ai une clé serpent, il ne fait pas de dégâts. Là, j'ai une clé serpent aussi, il ne fait pas de dégâts. Sauf que là, je pioche une carte. Donc, à la rigueur, je préfère piocher une carte. Donc, je vais jouer. Ah oui, mais ça va pas. Parce que je joue qu'une carte. Ah oui, si je joue qu'une carte, il va obligatoirement. Ouais, mais du coup, après, je peux le tuer. Normalement. Donc, normalement, on est bon. Donc, vaut mieux que je fasse le x2. Ouais. Donc, je vais faire ça. Bah non, je peux pas le tuer. Je peux le tuer ou pas? Là, je lui mets un cube, mais du coup, il va lander le cube. Ouais, il va lander le cube, non. Et en plus, il m'enlève le x2, donc ça sert strictement à rien. Ouais. Bah, c'est pas grave. Ah, c'est pas grave. Je joue stratégie supériorité. Ok. Donc, j'ai le droit de piocher une carte, du coup, tortue. Ah, j'ai eu lancé. Ça va pouvoir peut-être nous aider. Ok. Gagner un cube. Donc, je gagne un cube hein, pour chaque machin. Donc, je gagne un cube. Fin du tour. Attaque d'opportunité puisque j'ai joué qu'une carte. Donc, genre, il m'enlève un cube et il m'enlève la carte. Cet enfoiré. Donc lui, 5, 6, 7, 8, il a 9, 9, il me fait 2 points de dégâts. Donc j'annule un point de dégâts avec mon armure et un point de dégâts avec mon bouclier, puisqu'il y a une clé serpent qui est connectée. Hein, c'est la dernière de la séquence. Si votre séquence se termine avec une clé serpent, annulez un dégât. Ça se termine bien avec une clé serpent connectée, ça annule un dégât. Donc là j'annule 1 et avec mon armure j'annule 1. Donc j'annule 2. Par contre, il met quand même un de terreur. Ok. Fin du tour, c'est bon, pioche une carte, nouveau tour. On pioche une carte, nouveau tour. Ouais. Ok, il est à combien? Il est à 9 toujours. 9. Et 5, 14. Ça va pas. Lancer. 9, 10, 11, 12, 13, 14 avec la magie. Ou alors, 9. 10, 11. À la rigueur, je le mets à 11. Mais il m'enlève un cube, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Là, il est relou, il va se barrer tout le temps. Ou alors, je peux jouer deux cartes. Ouais, je vais faire ça, je pense. Pas avec le... Je peux faire ça avec ça, mais non, il se barre. Donc ça avec ça, pour pas qu'il se barre. Donc je vais jouer... Il n'y a plus de place. Ça, première carte. Donc je lui mets deux cubes. Donc 2 et 3, 5. Ok, donc il est à 11. Je vais pousser un peu parce qu'il n'y a plus de place du tout. Voilà. Donc ça, c'est la première carte. Ensuite, donc gagner 2 charges. Voilà. Ensuite, je vais jouer supériorité tactique en combo. Donc, je perdais en énergie. Donc, je perds un d'énergie. Gagner 2 charges. Donc, je gagne 2 charges. Et voilà, fin de mon tour. Du coup, j'ai joué 2 cartes. Il n'y a pas d'attaque d'opportunité. À lui de jouer. À lui, à 11, il me fait 2 blessures. Mais je dépense une charge, paye une charge pour annuler 2 blessures. Donc, j'annule. Deux blessures et je gagne un cube quand j'avais une blessure. Donc je gagne un cube. Hop là. Je gagne un de terreur par contre. Lui il a joué, contrôle des cartes. On est bon, je pioche une carte. Soutien ferme, ok. Derrière, si je joue lancer de machin, normalement, là, ça suffit. Parce que, non, pas elle. Lancer, ça fait 6 cubes hein, avec le x3. Donc 6 cubes avec le x3, ok? Donc je lui rajoute 6. Donc là on est largement bon. Par contre il fait une attaque d'opportunité quand même, parce que j'ai joué qu'une carte. Donc du coup il m'enlève un cube.
il me fait perdre la carte. Contrôle de l'affinité, 5, 10, 15, 16, 17, il est mort. C'est bon. Lui, il est relou en fait parce que on peut pas le mettre, il faut le monter doucement, petit à petit. Bon, après, il m'a pas fait de dégâts, c'est juste qu'il met un tout petit peu de terreur. Bon, il m'a mis 2 de terreur, ça va. Mais là, ça allait mieux quand même au niveau des cartes que j'ai piochées. Ça allait beaucoup mieux, on est d'accord que. Pour le coup, là, on a eu des dégâts, de la défense, ça allait plutôt bien. Franchement, là, ça allait plutôt bien. Donc, est-ce que c'était parce que mon deck était mal mélangé, à force de faire des séquences? Peut-être, c'est possible. Faut qu'on regarde quand même. Donc, on gagne un point d'expérience et 3 de nourriture. Donc, j'enlève 2, ce qui fait 5. On est pas mal, hein, en vrai. On a remonté pas mal la nourriture. Hop, le petit gardien. Ok. Par contre, je n'ai plus d'énergie, donc ce que je vais faire, est-ce que je me déplace? Non, je ne veux pas me déplacer. Je vais rester là. Je vais mettre fin au crépuscule. Je vais arrêter là. Je passe au crépuscule. Je mange. Je gagne 1. Je remonte mon énergie à 4. 1, 2, 3, 4. Ok. L'expérience, je dépense 5, évidemment. 5 pour upgrade un deck. La dernière fois, on upgrade quoi? Diplomatie, non? Je sais plus si on upgrade diplomatie ou si on upgrade le combat. J'ai plus de voix à force de parler. À votre avis, on a fait quoi la dernière fois déjà? Je sais plus. Mince, je me rappelle plus. Je crois qu'on a fait combat, non? Je vais regarder la diplo, voir. Je crois qu'on a fait le combat. Je crois, mais je suis pas sûr. Ah, je sais pas. Bon, tant pis, on va refaire le combat et puis je vais le noter. Je me rappelle plus. Donc, je fais le combat. Donc, je mélange bien. Parce que de toute façon, le combat, c'est vrai que c'est ce qu'on a besoin le plus. Mais la diplo, faut le faire aussi, c'est important. Ok. Allez, 1, 2, 3. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la carte comme ça. Voilà. Repositionnement l'est, donc ça on remplace l'autre. Plante urticaire, on a vu que c'était pas mal. C'est une carte défensive qu'on peut utiliser derrière, on peut la jouer pratiquement tout le temps. C'est pas mal, franchement elle est pas mal. Massacre, qu'est-ce que c'est que ça? Gagner 2 charges, payer une charge, retirer une d'une carte au choix dans la séquence, d'accord. Alors on peut la jouer qu'en premier, massacre. Ouais, bof, moyen. Donc là, je vais prendre. Défense, on a quand même pas mal. Donc je vais prendre repositionnement l'est que je vais remplacer par l'autre. Et du coup, je vais mettre la carte dessus comme ça pour dire que c'est que j'ai upgrade le combat et que la prochaine fois, c'est diplomatie. Voilà. Donc combat, ça, on va remplacer à la place de l'autre. Parce que c'est pas la peine d'en avoir 15 des cartes comme ça, on s'en sert très peu. Repositionnement, donc je l'enlève, repositionnement, et je mets celle-là à la place. Ok. Maintenant, il faut qu'on regarde les cartes. Donc défense, j'en ai 1, 2, 3, 3. 3, en vrai, ça va. Par contre, c'est l'autre qu'il faut que j'enlève. Maléfice, non. Attaque surprise, non. Celle-là. Oui, celle-là moyen. Celle-là. Coup handicapant, pareil. Hein. On a vu que si on n'a pas de tortue, moyen. Mais bon. On garde. Attaque. Celle-là, pareil, on n'a qu'un cube. On garde. Lancer, on garde. Défense agile, on garde. Intouchable. Feinte. Cibler le point faible. Elle est pas mal quand même, elle. On met un cube et en plus on ignore après les pertes. Supériorité. Soutien. Ah oui, il y en a 2 soutiens. Ok. Faut qu'on regarde avec les 4 là. On en a combien là de cartes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc là, il en manque une. Ok. Donc là, on a 2 soutiens fermes.
Une supériorité. Je sais pas, pour moi, les deux soutiens-fermes, je ne suis pas sûr qu'on en ait vraiment besoin. Donc c'est bien, elle se joue en combo avec la tortue, ok, super. Mais c'est pas souvent qu'on place des charges. Généralement, quand on l'a, celle-là. Donc pour moi, je vais en mettre qu'une, c'est comme ça. Je vais en enlever une déjà. Pour moi, il y en a une de trop. On en a acheté une pour rien, je pense. Celle-là, le x3, elle est bien, mais derrière, vous avez vu l'exemple que j'ai donné. Mais en même temps, on peut la garder. Parce que elle nous donne aussi de la défense. Ça nous permet aussi de faire de la défense. Vous voyez? Donc elle fait quand même deux en un. Elle fait défense et pas mal de dégâts. Même si on ne peut pas utiliser les doubles serpents, on a quand même un petit peu de défense. Ok, il faut payer un d'énergie, mais ça nous fait quand même de la défense au cas où. Donc à la rigueur, on pourrait la garder, mais celle-là, là, supériorité stratégique, on en a déjà une comme ça. Pour moi, on va l'enlever. On gagne qu'un cube quand on la joue, c'est nul. Donc on l'enlève. Je vais garder quand même supériorité tactique. Voilà. Pour moi, on va enlever ces deux-là, là, qui sont en superflu. Voilà, on les enlève. Ce qui fait qu'on a 16 cartes ou 17. 13, 14, 15, 16. On a 16 cartes, c'est parfait. 16 cartes. Voilà, c'est ce qu'il faut. Faut pas plus. Pour l'instant, en tout cas. Après, on verra avec les niveaux 4. Mais pour l'instant, 16 cartes, c'est bien. On a de la défense, de l'attaque. Il n'y a pas besoin d'avoir 50 trucs de soutien. C'est parfait. Ok, donc là, notre deck est refait. La prochaine fois, ça sera la diplo. Ensuite, on fait le rêve ici. Mais je crois qu'au bosquet, ça nous dit rien du tout. 102. Surtout qu'en plus, on a le. Je regarde quand même, mais je crois qu'il n'y a rien. Le rêve. Non, il n'y a rien du tout. Ok, on stoppe là et on va stopper là la vidéo. Voilà, donc la prochaine fois on réactive ça. Et après on va au plein pour faire la tâche. On n'a toujours pas réussi parce qu'on a cru que c'était là mais c'était pas là. On a perdu 2 heures pour rien. Bon, on a gagné en level up hein, évidemment. Mais voilà. Merci à tous de m'avoir suivi. Alors je crois bien hein, que j'ai fait un petit misplay ici où j'ai oublié la rencontre. Bah, je suis désolé. Bon, ça peut arriver. Hein. Bon, ça n'aurait pas changé grand-chose. Hein. J'aurais pas perdu sur la rencontre. On voit bien que je gère quand même pas trop mal les rencontres. Surtout que c'est celle que j'ai piochée. Héros des hommes, on a bien vu que je l'ai bien gérée. Au pire, on peut regarder celle que j'aurais eue. Ouais, j'aurais eu EQ et solitaire à 7. Vous vous doutez bien qu'il m'aurait donné les deux richesses sans que je perde. Hein. C'est une certitude. Je l'aurais limite one shot. Donc vous voyez que ça changeait strictement rien. À la rigueur, je vais le mettre même. Je ne vais pas mélanger, mais je vais le mettre dessous. C'est comme si on l'avait fait. Donc à la rigueur, je suis plus perdant parce que je perds les deux de richesse que je suis gagnant. Donc il n'y a pas vraiment de. Voilà. C'est tant pis pour moi. Ça aurait été un monstre niveau 4, machin, je dis pas, mais là, un niveau 2 en plus, on l'aurait pioché. Hein. Ça aurait strictement rien changé. En tout cas, je vous remercie encore une fois de regarder, de suivre l'aventure. On se retrouve très prochainement pour la suite des aventures. Deux mots de la fin, prenez soin de vous et jouez à vos jeux. Et à plus tout le monde.